Bonjour, merci à tous d'être présents ce matin pour 3 heures à peu près, enfin peut-être pas tout à fait, mais donc de discussion, de conversation sur la peinture. Merci d'abord aussi à Jeanne Gayousté et à l'école d'art, à l'ENSA, de nous accueillir ici devant une foule attentive, pleine d'appétit. Voilà. Donc je vais vous proposer donc un petit déroulé, pas trop formel quand même, mais il m'a semblé que c'était assez intéressant peut-être de commencer cette table ronde qui se déroulera ici. Elle n'est pas ronde la table, hein, enfin bon, la discussion aura lieu dans un deuxième temps à partir de ce point-là pour des questions d'enregistrement et tout ça. Mais on va commencer par présenter nos 3 invités. Nina qui va démarrer tout à l'heure, Nina Childress. Ensuite, on a tiré au sort, c'est Yves ou c'est Franck qui passe après? On ne sait pas. C'est Franck, par exemple. Allez. Après, on écoutera donc Franck pour une quinzaine de minutes. Et ensuite, Yves pour aussi 15 minutes. Je leur ai demandé à chacun de faire une sélection d'images, d'œuvres ou d'expositions qui ont un peu compté dans le développement de leur parcours. Voilà, on va les écouter à peu près une quinzaine de minutes. L'idée, c'est aussi donc... je ne voudrais pas que ce soit un format de conférence, entre guillemets, comme un peu habituel. C'est-à-dire qu'au fond, ce n'est pas chacun son tour et tout ça. C'est bien, l'idée, c'est vraiment de privilégier un moment de discussion, en fait, sur la peinture, au sens assez large. Hein. Je pense que l'expo qu'on a ouverte hier soir, moi, en tout cas, comme commissaire, je veux que ce soit vraiment plutôt un prétexte, du coup, à cette conversation. Je pense que les œuvres, entre elles discutent déjà pas mal. On s'en est rendu compte hier soir. Et donc, du coup, c'est d'essayer d'aller un peu plus loin et de profiter qu'on soit tous là. Hein. Je vous remercie encore, vous, les artistes, vous êtes déplacés aussi nombreux pour cette expo. Ce n'est pas si souvent qu'autant d'artistes viennent au Fracnousin. Donc voilà, alors nous, on va se déplacer pour voir les images de Nina. Hein, et puis, on viendra dans un deuxième temps ici pour commencer les discussions. On t'écoute, Nina. Bonjour à tous, bonjour Yannick et merci pour ton invitation, hein, pour cette exposition très belle et on va essayer de dire des choses intéressantes ce matin, voilà. C'était difficile pour moi de choisir 10 images parce que, bon, pourquoi celle-là plutôt qu'une autre, donc je me suis un petit peu laissée guider par mon instinct et aussi l'envie de montrer des images qui peut-être n'avaient pas été reproduites dans des catalogues, ou qui ne sont pas sur mon site, enfin, parce que c'est un peu ennuyeux toujours parler des mêmes choses. Donc ça va être plutôt sur le début du parcours des images un petit peu atypiques de mon travail. Et aussi pour raison que j'ai dû remanier tout mon stockage. Alors la question du stockage, c'est une chose sur laquelle on pourra parler, parce que c'est une vraie, burden, un fardeau des peintres, c'est-à-dire on est obligé de trimballer au fil des ans une œuvre qu'il faut mettre quelque part. Voilà. Donc j'ai dû cette année récupérer tous mes vieux tableaux et ça m'a permis non seulement de les revoir mais de faire des photos numériques que j'avais pas, etc. Voilà. Donc c'est aussi Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort, Nina, ou te rapprocher du micro? D'accord, c'est aussi pour ça que j'ai des images inédites, c'est à la suite de cette manipulation du stockage. Voilà. Donc on va commencer avec une image qui date donc de 85, donc il y a 30 ans. C'est aussi pour dire que la peinture, c'est un temps très long, en fait. Hein. Ça, quand je peignais ça, j'avais déjà 50 peintures derrière moi. Mais j'étais, disons, déjà sur une sorte de troisième période de mon travail. Alors, pourquoi j'ai amené ça? Je ne sais pas trop. En fait, c'est aussi parce que j'étais contente de redécouvrir cette peinture qui est... en pleine époque de la figuration libre, on pourrait dire. Et là, c'était l'idée de repeindre sur des imprimés. Donc, c'était des imprimés adhésifs pour mettre dans les cuisines. Donc, dans les années 85, il y avait des stockages de matériel de décoration des années 70. Donc, en fait, c'est plutôt... Et moi, j'étais très fascinée par l'esthétique des années 70 dans les années 85, un peu comme les étudiants d'aujourd'hui qui sont fascinés par les années 90 ou 2000. Voilà, je ferme la parenthèse.
Donc c'est juste de l'acrylique sur du plastique. Et quand j'ai manipulé, en fait, il y avait un film argenté derrière, un peu comme les couvertures de survie, qui s'est complètement cloqué. Enfin, ça a été une sorte de chaos. Donc j'ai décollé ce truc de l'argenté, je l'ai remis sur du papier gras, enfin papier sulfurisé. Voilà, donc que dire, c'est vraiment des choses très vite faites. Donc ça, c'était, comme je le dis, derrière une deuxième période de mon travail où j'avais commencé plutôt dans des portraits très très réalistes. Voilà. Donc là, c'était en plein pendant les frères Ripoulin quand j'ai travaillé avec eux. Alors l'image d'après, donc on passe 5 ans, hop, on saute 5 ans. Tu peux juste expliquer ce que c'était les frères Ripoulin en deux mots quand même. Les frères Ripoulin, c'est un collectif d'artistes avec qui j'ai travaillé pendant à peu près 5 ans, je sais pas, entre 84 et 89. Et on avait un atelier en commun, donc c'était aussi, peindre très vite et beaucoup. Et plutôt à l'acrylique. Alors par contre, cette peinture-là, c'était justement juste après des frères Ripoulin. Et là, ça a commencé la grande crise de la peinture, hein, qui a, disons, duré à peu près 10 ans, entre 89 et 99, je dirais. Parce que là, c'était vraiment impossible de faire de la peinture. On était très mal vus. Et j'en faisais quand même. Et là, bon, ce que j'aime beaucoup dans cette peinture, c'est que bon, tout le bas du travail, c'est de l'abstraction plutôt... pure et dure, et en fait c'était juste venu de l'observation d'une tôle ondulée qui était devant ma fenêtre, parce qu'il y avait on rénovait mon immeuble, et j'avais vu avec la lumière du réverbère, ou je sais pas, il y avait des jolies bandes de couleurs comme ça, et j'ai reproduit le motif. Donc à l'époque je faisais vraiment des choses très limite abstraites et limite aussi conceptuelles. En fait, l'idée c'était de faire de la peinture conceptuelle afin qu'elle soit acceptée en pleine époque d'art conceptuel. Néanmoins, il y a quand même des petits ajouts, on pourrait dire rigolos, les petites étoiles. Et puis, ce qui était vraiment la marque de mon travail à l'époque, c'est-à-dire la lettre T, là, qui est T comme tôle, et qui est en même temps une sorte de signe graphique qui fait partie de la composition. Voilà, on voit aussi que c'est sur Kraft, donc c'est aussi des périodes où je peignais beaucoup, donc parfois très rapidement des choses sur Kraft pour pas que ça coûte de l'argent, et voilà. Et si ça me plaisait, bah je le collais. On voit aussi ici un point rouge que je mettais beaucoup à l'époque, qui veut dire vendu. En fait, je vendais rien du tout, alors du coup je mettais des points rouges sur mes tableaux pour me consoler, hein, voilà. Alors, bon, comme je vous dis, c'est vraiment une pièce qui est un petit peu marginale. Hein. Alors ça, par contre, c'est plus une série qui commence à être intéressante. Et j'ai retrouvé ces peintures sur papier, qui sont assez beaux. C'était toute une série de petits réglisses. Donc à l'époque, je faisais des bonbons que j'agrandissais 50 fois. Donc je les mesurais, donc... Le Malabar, qui est grand comme ça, il faisait 2 mètres. Voilà. Donc ça, c'était... Donc je cherchais beaucoup des modèles pour les reproduire. Et ça, c'était des petits réglisses, très brillants, très beaux. Et donc ça permettait à la fois de faire des objets réels, très très réalistes. Mais en même temps, comme ils sont très agrandis, ça devient des sortes de sculptures, des sortes de représentations de sculptures, des représentations de formes un peu indéterminées. Et dans ces petits réglisses, ce qui est très beau, c'est qu'on a des choses réalistes. Il y a des voitures, des choses comme ça, hein, un peu comme des petits pions. Mais comme c'est en bonbons, voilà, la forme est un peu différente. Et là, j'avais peint ça en noir et blanc à l'acrylique. Et là où c'était bien, c'est que j'ai mis une sorte de vernis dessus que j'avais sous la main, un peu n'importe quoi, un vernis phénolique, qui ensuite a jauni, mais qui avait un brillant magnifique. Voilà, je porte c'est une sorte de vernis pour faire les plans de travail de cuisine ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est pareil, j'ai retrouvé ces dessins que j'ai photographiés. Que dire, bon, bah là, on est quand même dans une peinture toujours très, très contenue, hein, c'est-à-dire c'est... Il y a un fond, une forme,
pas de composition, c'est une sorte de chose très très simple pour ne pas en trop en faire, justement pour s'éloigner de la peinture. Alors on va, là on va sauter, oui beaucoup, hein, oui. Oui. Donc en fait voilà, donc ça c'est les premières peintures que je vous ai montrées, c'était une sorte de petite introduction, et puis là on arrive si vous voulez dans les choses qui sont un peu plus revendiquées dans mon travail. Hein. Mais même si on fait un grand bond dans le temps, Nina, excuse-moi de te couper, en fait à cette période, enfin avant 2007, il y a eu beaucoup de séries de peintures faites sur le même principe, au gros, hein, c'est ça. Oui, c'est vrai que bon, les années 90 et cette difficulté de peindre aussi faisait que je me lançais dans des séries aussi pour pouvoir, ça donnait une sorte de justification conceptuelle de faire des séries. Alors que maintenant, au contraire, j'essaie presque d'éviter de faire des séries, parce que pour moi, c'est aussi la marque d'un manque d'inspiration, finalement. D'accord. Moi, ce que je me rappelle quand même, pour le coup, d'une expo, par exemple, où tu avais montré plein de tableaux, mais qui avaient des formes, et qui étaient des savons. Oui, alors disons, après les... Bon, en fait, la toute première série, disons, un peu réussie, ça a été des Tupperware, donc j'ai fait que des Tupperware. Après, alors ils avaient la forme du châssis, voilà. Après, j'ai fait donc les bonbons, là, on en a vu un. Donc les bonbons, eux, le principe, c'est qu'ils étaient agrandis 50 fois. Et j'en ai fait 50, bon... Après, j'ai fait des savons. Et là, les savons, j'ai enlevé le fond. Donc, c'était sur du bois découpé et recouvert de paraffine. Donc, il y avait l'aspect savon. Et après ça, j'ai fait une série sur un peu ratée sur... comme j'ai eu un enfant, ça m'a rendu folle. Donc, j'ai fait des choses sur la perception des bébés. J'étais sur les bébés, quoi. Bon. Et je me suis fait virer de ma galerie, du coup. Et oui. Donc, mesdemoiselles, je vois qu'il y en a beaucoup. Méfiance, méfiance, birth control. Voilà. Non, c'est vraiment, c'est très très difficile hein, d'allier maternité et peinture. Bon, ça, c'est un autre débat. Non, mais on va en parler tout à l'heure. Enfin, surtout pour le premier, quoi. Ou alors, il faut vraiment être très fort psychologiquement. Bon, ensuite, et après ça, j'ai fait des jouets. Donc ça, c'était aussi assez une sorte de déclinaison du monde de l'enfance. Mais au moins, ça m'a permis de renouer avec, disons, des formes figuratives. Bon, c'était assez intéressant. J'arrivais à faire des choses. Et puis après, j'ai fait les cheveux, je pense, à peu près. La série des blondes. Oui, enfin, dont fait partie les blondes. Et après, il y a eu les flous. Donc là, c'est pas tellement... Bon, il y avait quelques séries de thématiques, mais c'était là une série de manières. Et là aussi, je me suis fait virer de ma galerie, enfin, où je suis partie. Parce que les flous, bon, c'était surtout, oui, effectivement, une manière de peindre. Mais en même temps, j'en ai vendu beaucoup. C'était une série qui marchait bien au niveau économique parce que ça séduisait surtout les collectionneurs qui sont pas dans le milieu, quoi. Un peu myope. Non, oui, les myopes déjà, c'est vrai. Beaucoup de myopes aimaient beaucoup ces peintures-là. Et puis, non, mais vraiment. Hein. Oui, oui. Et puis, les gens qui n'étaient pas du milieu de l'art aimaient beaucoup. Voilà. Et après ça, après les flous, ouais, j'ai fait un petit peu des, enfin bon, j'ai fait un peu des flous nets. Et puis après, j'ai commencé à peindre des flous nets. Oui, c'est-à-dire des flous en aplat. Des flous en aplat. En fait, si on fait plein d'aplats de couleurs successives, de loin, ça fait flou, mais de près, c'est des aplats. D'accord. J'appelais ça des flous nets. Des flous nets. Non, mais c'est très intéressant, flou net, parce que c'est un mot valise, mais en même temps, tel que tu l'expliques, on comprend bien, en fait. Hein, oui, oui. Voilà. Oui, bien sûr. Par exemple, si on veut passer, je sais pas, du bleu au jaune, on va faire une rayure bleue, une rayure turquoise, une rayure verte, une rayure voilà. Et puis de loin, on va voir un dégradé. Voilà. 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 Mais disons, là, je commençais déjà un petit peu à me dire. Et puis après, j'ai commencé à changer de façon de peindre. Enfin, j'ai lu un bouquin sur la peinture hyperréaliste qui expliquait comment il peignait au projecteur. Et j'ai peint avec cette technique-là. Et donc là, je prenais des images. Voilà. Et là, j'ai, je pense, un peu cessé de faire des séries en tant que telles. En tous les cas, je peignais vraiment une image après l'autre sans trop me soucier de faire une série. Oui, voilà, donc ça, les séries étaient plus aussi systématiques oui, voilà. jusqu'à une forme d'épuisement aussi peut-être
jusqu'à une forme d'épuisement aussi dans la série. Oui, bien sûr, oui. Donc là, c'était peut-être par contre mener des choses en parallèle ou complémentaires ou... C'était déjà quand on prend un projecteur et qu'on n'a qu'un projecteur, on est obligé de faire un tableau après l'autre. Absolument, donc. Ça c'est un problème technique. Quoique maintenant j'essaie d'en faire plusieurs et puis je le bouge, mais bon, c'est un peu périlleux. Oui. Puis aussi je peins sans projecteur aussi certaines parties du temps, donc voilà, mais... Non, je sais pas, c'est plus que ça. C'est vrai que la série s'épuise, mais c'est... En fait, quand je décidais de faire une série, j'étais très euphorique. Oui, je vais faire tout ça, ça. J'ai commandé 20 châssis, et puis voilà, pouf. Mais après, c'est... Le plaisir de peindre, il est plus programmé, quoi. C'est toujours un peu pareil. Enfin, moi, dans l'idéal, j'aimerais bien peindre de façon très... à chaque fois, que ça soit spontané, enfin, comme si ça jaillissait, comme improvisé. Mais en fait, j'improvise pas du tout, mais dans mon idéal, ça serait ça, de faire ça, quoi, un peu comme Picasso, je sais pas quoi. Hein. Oui, mais, ne pas chercher, trouver. Ouais, enfin, mais je fais pas du tout comme ça, hélas, je suis de... mon petit... voilà, mais bon. Enfin, pour embrayer sur cette peinture que vous regardez depuis un petit moment déjà. Oui. Ça, c'est une photo que j'ai faite. C'est assez rare que je travaille d'après des photos que j'ai faites. Mais c'est moi qui fais cette photo avec un flash sur un tableau. Et puis ce qui m'intéressait, c'était le tableau, le papier peint. C'était aussi pour faire un truc in situ, réaccrocher le tableau dans le château, etc. Ça a aussi foiré. C'était avec l'école de Bourges. Je devais intervenir à Nohant. D'accord. Et voilà, ça c'est un tableau qui est dans le salon de Georges Sand à Nohant, et je voulais le remettre à la place du tableau. Bon. Après, ce qui est intéressant, c'était que là, j'ai commencé à réfléchir à la matière vraiment de la peinture. Parce que ça, c'est la grande question. C'est-à-dire que je pourrais dire qu'avant cette série, finalement... Et c'est assez paradoxal, parce qu'au projecteur, on pourrait penser qu'on a tendance à travailler de façon très systématique et remplir comme ça. Et c'est finalement quelque chose que je faisais plus avant de travailler au projecteur. Où je remplissais... Où la peinture était comme du coloriage de dessin. Et là, je suis passée à un moment où j'ai vraiment essayé d'utiliser la peinture comme un... un outil pour faire de la profondeur. Et là, bon, par exemple, une illusion de flash qui n'est en fait pas du tout en matière, parce que la peinture, elle n'est pas peinte, en fait, à cet endroit-là. La toile, elle est vierge, voilà. Donc, c'est une réserve, en fait, plutôt qu'un rajout, quoi, voilà. C'est ça que tu veux dire. D'accord. Voilà. Et pourtant, ça irradie beaucoup. Ça remplit presque toujours, malgré tout, la même fonction. Ouais. Bon, alors, c'était aussi l'idée du tableau dans le tableau, la mise en abîme, tout ça, ça m'énerve un petit peu, hein, ce genre de petite fantaisie. Mais bon, ça plaît beaucoup à la critique française de pouvoir raconter des petites histoires comme ça, surtout pas parler de la matière, ça c'est tabou, hein, de parler comment c'est peint, ça se fait pas, mais bon. Voilà, après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'espèce de perspective, un peu, le tableau n'est pas vraiment rectangulaire, c'est assez énervant, voilà, faire des choses énervantes, c'est aussi quelque chose qui me plaît. Bon, allez, on enchaîne. Soupe. Donc ça, c'est très récent, hein, on peut dire, avec... Alors, ce que j'essayais de montrer là, c'était aussi l'idée de mise en scène des tableaux, avec un grand tableau à l'huile sur une petite estrade devant... une affiche peinte sur craft qui est collée. Alors parfois maintenant je fais imprimer mes peintures à échelle 1 pour aussi les coller, parce que voilà, j'ai trop d'expos et j'arrive plus à faire autant de peintures sur craft qu'il faudrait. Mais j'aime bien coller aussi des peintures originales, aussi dans cette idée de ne pas conserver les choses et justement d'être hors contrainte du stockage. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Et aussi pour faire un pied de nez aux collectionneurs qui voudraient l'acheter, qui ne peuvent pas. Ouais, ça, c'est toujours très bien. Dans mon expo à Paris des nudistes, il y avait une grande affiche de 4 mètres par 3 collée. Les gens, ça les rend littéralement malades, quoi, que ça soit perdu. Oui, c'est donc, trop, c'est insupportable. Voilà, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, c'était venu de l'expo du MAMCO qui avait été déprogrammé, reprogrammé. Et quand ils m'ont reprogrammé avec encore plus d'espace, j'ai dit, puisque c'est ça,
Moi, je vais faire une sorte de surenchère et je vais leur donner tout un travail énorme, voilà, qui va être perdu après. Et voilà, je voulais être vraiment dans quelque chose de pas du tout logique par rapport à l'économie de la peinture, qui est assez qu'est-ce qu'elle est, quoi. Bon. Donc voilà, on voit. Et puis derrière, ça, c'est un morceau de triptyque là. Donc après, par exemple, ce tableau, en ce moment, il est présenté à 7, et il n'y a pas le fond, puisque j'en ai plus, hein, de ceux-là. Et il n'y a pas l'estrade non plus, il est accroché au mur. Donc aussi, c'est pour dire que, voilà, on peut faire un petit peu... On n'est pas obligé de faire toujours pareil. Moi, je n'ai pas vraiment de protocole très précis quant à la présentation. Et je crois aussi que toutes ces petites fantaisies de présentation sont des choses... que l'art contemporain met en place pour rendre la peinture aussi acceptable un peu au niveau de l'installation, quoi. Voilà. Mais bon. Ah, ça, c'est une peinture, voilà, qu'on voit bien au gros plan. Alors celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment impossible, quoi. Elle me fait assez rigoler. Et vous le croirez ou non, l'image que j'ai trouvée est exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de détourage... même pas Photoshop, parce que ça date d'un bouquin des années 70, une sorte de détourage violent de la sculpture. Donc c'est la source iconographique, c'est un bouquin qui s'appelle « The Years of George Montgomery ». George Montgomery, c'est un acteur de western américain qui m'a intéressé pour diverses raisons. Et il a édité un livre sur à la fois sa carrière, sa filmographie, sa collection de tableaux, notamment de tableaux qui ont rapport avec l'histoire des États-Unis. Donc il y a beaucoup d'Indiens, de cow-boys, de choses comme ça, puisqu'ils faisaient des westerns, enfin tout se tient. Et c'est un sculpteur qui fait des bronzes. Et ça, c'est un de ces bronzes qui en fait s'appelle Half-Breed, ce qui veut dire métis, puisqu'en fait c'est un soldat... qui a eu un enfant avec une indienne. Et donc, elle vient d'accoucher, elle lui présente l'enfant, enfin bref. Alors, ce qui me plaisait, c'était déjà le côté très assez laid des personnages. On dirait qu'elle est vieille, elle a les jambes maigres, enfin, une espèce de truc un peu dur, dû à la petite taille de la sculpture. Ce que j'aimais, c'était le message aussi très anti-bébé, hein, parce que là, je suis, après avoir eu deux enfants, je milite... contre la procréation abusive et ce genre de choses. Je donne beaucoup d'argent au planning familial, je suis dans ce genre de trip, quoi. C'est aussi politique, mais enfin bon. Et ce que j'aimais, c'était la piscine derrière. Enfin, disons que cet acteur a mis sa statue devant sa piscine pour faire une photo qui a un joli bleu derrière, et voilà. Mais si vous voulez, je vous donne ces raisons personnelles, et en fait, personne ne je ne l'ai dit jamais. Là, je vous l'ai dit à vous parce qu'on est ensemble, mais c'est gentil. Je ne dis jamais aux journalistes. J'ai fait ça parce que je suis militante pour le droit des femmes à contrôler les naissances. Voilà. Mais de toute façon, il y a tellement de choses choquantes dans cette image que voilà, c'est. Choquante parce qu'en fait elle est assez désagréable, quoi. Il y a quelque chose, bon. Et en même temps, en vrai, elle est assez, il y a vraiment une séduction de la matière, de la couleur. Bon. Voilà. Oups. Alors là, on continue avec donc ce qui a été présenté hier. Certains ont peut-être vu ce triptyque. Donc il était assez beau aussi avec les pierres hier soir, j'ai trouvé. Et là, c'était lors d'une exposition à Montpellier, la première fois que je l'ai montré. Donc derrière, il y a du papier découpé. Le petit tableau qui est en haut, il est à une tige, donc il flotte un petit peu dans l'espace. Et puis en plus, une tige de bois peinte qui... Bon, là, c'est compliqué. Pour moi, ça symbolise cette tige à la fois l'ouverture dans un rideau de théâtre, donc c'est-à-dire le monde derrière du théâtre. Et puis, ça symbolise aussi la peinture qui sort du tube... comme le dentifrice aussi, quoi, une sorte de tube, ou la lumière, enfin bon. Et là, l'idée, c'était de faire... En fait, au départ, je devais faire un projet de tableau vivant, donc c'était pour ça, qui ne s'est jamais fait. Vous voyez que souvent,
On fait des projets pour des choses qui ne se font pas, puis ça rebondit sur d'autres choses. Et ça m'intéressait de rendre la peinture vivante en mettant des gens à l'intérieur. Donc je précise bien que ce sont des gens... Je souhaite que ça soit plutôt des étudiants, des gens jeunes et beaux et frais, qui soient, pour qu'il y ait une sorte de neutralité finalement, qu'il n'y ait pas un caractère trop fort dans les visages. Et c'est juste, le temps d'une soirée ou d'une photo, ils donnent vie à la peinture-sculpture. Et ce n'est pas du tout un moment participatif ou interactif, hein. Voilà, il y a une dame hier qui m'a montré son selfie, elle s'était photographiée dans le truc. Bon, c'est pas du tout pour faire ça. Contrairement à, bah, par exemple, c'était Jim Shaw qui avait fait des peintures avec des trous pour mettre la tête. Oui, et Ernest T. aussi. Il y a fort longtemps. Ernest avait fait une pièce, je crois que c'était à Dijon, où il avait, avec le même principe d'agrandissement de ses dessins, pour lequel il est très très connu, donc agrandit ce type de dessin, et on pouvait carrément y aller en famille, je crois, il y avait au moins 4 ou 5 trous, ouais. Et c'était à l'entrée de l'exposition, un peu comme une fête foraine, quoi, enfin, voilà. Et les gens étaient invités à passer la tête dans l'image, et du coup devenir, je ne sais plus, aviateur, ou homme politique, ou quelque chose comme ça. Il y a l'enterrement Ornan qui est de, je ne sais plus qui... Oui, mais qui a été fait comme ça par un artiste contemporain avec des trous. Ah oui, aussi possible. Ouais, de... oh, y a Colin Thiébault, peut-être. Colin Thiébault, ouais, voilà. Donc, voilà. Bon, ben là, c'était aussi prétexte à faire de la peinture au scotch, que j'aime bien faire de temps en temps. Ça détend. Ça détend, la peinture au scotch? Je sais pas, c'est rigolo, quoi. C'est... Tu veux dire au scotch, pas au whisky, au scotch à peindre? Au scotch. D'accord. Et bon. Et c'est vrai que c'est bien présenté, hein, à Limoges, avec les petits tableaux. En fait, pour les faire, ces grands trucs en bois, je voulais pas non plus trop improviser. Donc j'ai fait d'abord des petites peintures à l'huile que ensuite j'ai recopiées, voilà, en grand. Ça aussi, c'est un autre dispositif, un peu de montrer le travail autrement. Donc là, c'était pour une exposition pour les 20 ans. 30 ans du MAMCO, 20 ans du MAMCO, dans un centre d'art à Annemasse, à côté de Genève. Et donc l'idée, c'était de reprendre ce tableau qui fait partie de la collection du MAMCO, qui est un grand tableau qui fait 3 mètres par 2, qui représente le château de Schönbrunn à Vienne, et qui est peint d'après une carte postale. Et l'idée, c'était de refaire vaguement le cadre. Et puis je vais vers une stylisation, en fait. Là, c'est très réaliste. Et puis plus on va vers le bord, plus c'est stylisé, jusqu'à ces arbres qui sont effectivement peints au scotch, là aussi. Oui, bon, alors ça, c'est un truc juste un peu pour m'amuser, je pourrais dire. Hein, mais est-ce que c'est un truc pour t'amuser, ou est-ce que c'est aussi pour répondre, au fond, à une sollicitation? Parce que je n'ai pas vu cette expo, mais je vois ce dont il s'agit, c'était le syndrome de Bonnard. Oui, c'est ça, oui, hein? C'était le principe de l'expo, c'est-à-dire le syndrome de Bonnard. C'est Bonnard, il repeignait toujours ses tableaux, voilà. Alors moi, j'ai dit, je ne vais pas repeindre sur mon tableau, mais je vais peindre sous. Oui, mais je veux dire que c'est l'occasion qui a fait la laronne. Ils m'ont demandé un projet, en fait. Voilà. Hein. Donc, c'est peint sur craft aussi. C'est peint sur craft à l'acrylique. Donc en fait, ce qui était assez difficile, c'est que j'avais plus le tableau avec moi à l'atelier. Bon, alors je sais un peu les couleurs que j'utilise, hein, c'est pas non plus, mais... Mais voilà. Donc c'est-à-dire que tu as peint le craft sans avoir le tableau? Ben regarde, le tableau, il date de 2010, oui. et le craft, il date de 2014. D'accord. Mais ça veut dire que tu peins le craft en lait à l'atelier et tu le... Voilà. Hein, c'est ouais, ça ouais, qui... ouais, et alors, il a fallu que je fasse aussi une simulation Photoshop, un gabarit, enfin voilà, pour que ça coïncide, c'était assez chaud. J'avais aussi une marge de manœuvre où je pouvais plus ou moins, à ce niveau-là, au milieu du tableau, là, il y avait une zone où je pouvais jouer de quelques centimètres afin de, voilà, d'être au plus près. Non, mais ça s'est pas mal goupillé. Oui, l'anecdote assez drôle, c'est que j'ai demandé au photographe de faire une très bonne photo de ça pour pouvoir ensuite l'imprimer.
oui. pour que ça puisse être remontré éventuellement. Enfin, c'est le Malmko aussi qui voulait ça. D'accord. Et alors, il a fait une photo en plusieurs bouts pour qu'elle soit très bonne. Mais en fait, il n'a pas fait attention au cadrage par rapport au tableau. Il avait une erreur, hein, parce qu'il a redressé des perspectives, il a bidouillé ça sur Photoshop. Et puis, à un moment où ça devait être remontré, j'ai quand même vérifié, et il avait vraiment... Donc, bon, ce genre de petits trucs, c'est quand même assez délicat à régler. Oui, et, oui. Voilà, mais bon. Alors, c'était assez beau parce qu'on voyait d'une vitrine, de l'extérieur. Ah oui, l'autre anecdote assez amusante, c'est que j'ai passé des heures sur Street View à essayer de deviner ce qu'il y avait derrière, parce que je ne suis jamais allée à Schönbrunn. Enfin, si, j'y suis allée cet été, mais c'était fermé, donc j'ai juste été à la boutique. Mais j'ai passé beaucoup de temps à essayer de voir ce qu'il y avait derrière mon image, là. Et en fait, c'est pas ça. Bon, cette statue fait bien partie du parc parce qu'on a des petites statues tout le long, là. Mais je l'ai mise là. Bon, à mon avis, c'est impossible. Mais, les pieds dans l'eau. Ouais. Puis ce qui m'amusait, c'est qu'elle avait un peu le même visage que Garance, la fille de la galerie. Voilà, donc en fait, je me fais plein de petits films dans ma tête qui n'ont aucun intérêt. Je vous les raconte. Vous voyez à quel point c'est stupide. Et puis tous les gens s'extasient sur le... Enfin, s'extasient. Regarde le, voilà, le petit truc sympa, oui c'est beau, c'est bleu, machin. Mais les choses moi qui me motivent, elles sont pas là. Ce qui m'a motivée, c'est faire ça, une sorte de garance un peu, et puis faire mes arbres scotch, c'était vraiment très très bien aussi pour moi. Quoi. J'étais très contente de faire ça. Et le reste, bon après c'est plus du boulot. Voilà. Alors, ça on est encore un peu dans l'idée d'exposition. C'est un tableau très récent qui montre une exposition sculpturale de macramé dans les années 70. Donc ça vient d'un livre sur le macramé sculptural, aussi avec des circonstances spécifiques, psychologiques pour moi, bon, peu importe. Mais c'est un tout petit tableau. Et là, quand je le montre sur une tige, c'est très beau parce qu'il flotte et il y a vraiment quelque chose. Alors, on peut aussi remarquer qu'il y a eu une sorte de revival de mode de la tapisserie, en tous oui, les cas. Du textile, hein, voilà, oui, oui. Avec l'expo Décorum au Musée d'Art Moderne ou chez la X qu'on ressort du placard, enfin bon, des choses comme ça. Donc ça parle aussi un petit peu de ça, c'est un peu une pirouette. Bon... Et puis ça rappelle aussi un peu les blondes, les cheveux, etc. Enfin, il y a toute cette histoire un peu dans ton propre travail qui est un peu sous-jacente dans ce tableau, non ? Oui, oui, c'est aussi comme un intérieur. Mais bon, j'aimais aussi le côté très domestiqué de l'exposition avec la moquette, les petits socles, les lampes, les rideaux. Tout ça me plaît beaucoup. Bon, puis évidemment, tout le côté très sexuel en fait, de ces images. Hein. Voilà, je crois que c'est la dernière. Alors, celle-là, bon, c'est tout petit tableau. Alors, et c'est la nouvelle série. Donc maintenant, j'utilise beaucoup de rose, une couleur que je n'aimais pas du tout. Puis là, je ne sais pas pourquoi, je suis plein dedans. Comme je disais, c'est vrai que je vais déménager boulevard Magenta. Donc du coup, le mot magenta me plaît. Donc j'aime bien, je vais chercher un pot de magenta au magasin. Et je suis très contente. Et des fois, rien que ça suffit en fait à faire changer les choses. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est un truc rigolo, c'est que le tableau est tout petit, puis je devais l'exposer, et puis il ne pouvait pas l'avoir à l'avance, c'est moi qui allais l'amener le jour du vernissage. Donc je leur ai envoyé cette photo, ou plutôt même, j'ai moi-même fait l'impression, où j'avais photographié les tranches du tableau pour qu'ils puissent se faire une petite boîte et l'utiliser pour faire l'accrochage, et moi à la fin j'arriverai, et voilà, pour qu'ils puissent prendre en compte aussi les tranches du tableau pour leur accrochage, parce que c'est des gens à Berlin très 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 méticuleux et très pointus sur le moindre petit détail. Et peut-être d'ailleurs c'est quelque chose que je devrais toujours faire, c'est à la fois photographier les faces et les côtés. Voilà, mais j'aime beaucoup aussi ces petits tableaux qu'on peut mettre dans la valise ou dans son sac à dos même. Et curieusement, finalement, ils en sont pas moins des peintures. Enfin, quand on les voit, c'est... je pense par exemple aux peintures de Marion qui sont toutes petites dans l'exposition et oui, qui sont très puissantes, quoi. C'est pas la taille qui fait... bon, excuse-moi Yves de dire ça. mais c'est pas... Voilà, donc et c'est vrai que bon, c'est vrai que quand on fait un tout petit tableau, on arrive mieux à maîtriser les choses puisqu'on voit vraiment tout d'un bloc et on a toujours le recul beaucoup plus facile finalement.
Mais bon, la question du format, on pourra en discuter. Je pense que c'est un sujet intéressant. Mais voilà. Donc, okay. Merci Nina. C'était la dernière. Bon, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des petites questions? Marion, tu veux réagir ou non? On attend tout à l'heure peut-être. Ok. Donc on écoute Franck maintenant, s'il veut bien. Bien, bonjour. Alors pour commencer un peu, pour situer un peu les choses, je tenais à vous montrer cette image. On pourrait croire qu'on est un peu au Qatar ou dans les Émirats arabes. Pas du tout. On est dans les années 80, dans les environs de Poitiers, où s'est construit un bâtiment que vous devez connaître, qui s'appelle le Futuroscope. Ça a été pour moi, j'étais donc étudiant en école d'art, et ça a été pour moi un élément important visuellement, parce que je le voyais quotidiennement, parce qu'en plus j'allais fréquemment à Châtellerault, donc je parcourais cette route, et j'ai vu ce truc apparaître un peu comme ça, grandir, pousser comme un champignon dans la plaine poitevine. Et donc tout ça m'a fait questionner... pas mal sur ma pratique, sur ce que je pouvais envisager par la suite, comme sujet, comme chose à peindre. Je sais que l'ambiance, dans les années 80, la peinture, ce qu'on pouvait connaître, ce que je voyais, ce que je connaissais, c'était surtout une peinture qui venait, qui était surtout très référencée. Une peinture où le marché s'emballait un peu, et on avait une peinture qui n'en finissait plus de se référer à elle-même et d'aller chercher, comme la trans-avant-garde, d'aller chercher dans l'histoire des périodes un peu oubliées, et donc toujours se référer au texte, se référer à... Également, comme Garouste a pu peindre des vierges ou des madones, ou bien il y avait également des plus jeunes, comme les Combas ou les Di Rosa, qui eux peignaient clairement leur vie, leur rapport au rock'n'roll, qui produisaient des images assez illustratives de ce goût comme ça pour leur vie, assez rock'n'roll. Moi, j'en étais pas forcément là. J'étais peut-être habité par un scepticisme plus aigu. Et donc, par rapport à tout ça, j'essayais d'envisager des choses possibles à peindre qui pouvaient, moi, me mettre en lien directement avec le monde, avec ce que je pouvais voir, avec ce qui m'entourait, ce qui pouvait un peu accompagner ma vie et mes réflexions. Donc... au même moment, si je vous montre ce Futuroscope, ça allait devenir, il y avait beaucoup de fantasmes autour de ce bâtiment. Je ne connaissais pas le projet, mais je savais que ça allait être petit à petit, on appelait ça le lieu de l'image. Et dans le même temps, j'allais régulièrement en Allemagne, et j'ai découvert un peu toute la peinture allemande, et surtout une peinture qui était déjà très orientée, du côté de l'image, qui se permettait déjà de peindre directement des images, comme Richter. Et je dois dire que ça a été quelque chose d'assez radical pour moi, où c'était un peu la dimension de l'image comme ça venait apparaître dans des questions de peinture, et c'était... c'était presque un peu Google avant l'heure, c'est-à-dire que se posaient pour moi des questions, non seulement que peindre, mais il s'agissait déjà de pouvoir enchaîner quel type de série, la question de l'auteur aussi, dans le détachement du geste, d'un travail d'atelier, toutes ces choses étaient importantes. Donc ça veut dire que j'ai continué à... Je savais que il fallait donc réfléchir à tout ça, essayer de toujours se poser la question, qu'est-ce qui valait le coup, qu'est-ce que je pouvais bien peindre. Alors il fallait donc... j'étais prêt à envisager plein de choses, à penser déjà au paysage. Est-ce qu'il y avait un paysage possible à peindre aujourd'hui? Et ça a été clairement... le Futuroscope s'est imposé comme finalement le seul paysage... possible. Et il incarnerait une fois pour toutes, pour moi, une vue du monde. Donc avec toute la perversité,
de ce sujet, enfin son incongruité, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien de naturaliste, hein, il n'y avait plus rien de, dans ce paysage, c'était la peinture allait plutôt exister tout autour, enfin, et un peu comme enfin, dans des pratiques de l'image, elle allait être complètement déterritorialisée, quoi. Donc, cette conscience-là, enfin, elle se poursuivait aussi et dans des rencontres avec, avec des œuvres. Et ça, c'est dans le milieu des années 90. Enfin, je travaillais dans un musée, enfin, j'étais guide dans un musée à Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord. Et là, j'ai rencontré aussi l'œuvre d'artistes anglais, enfin, du collectif Art and Language. Et notamment ce mobilier qu'ils ont fabriqué, qui est en fait c'était un collectif donc qui écrivait beaucoup, hein, des gens situés clairement dans l'art conceptuel, donc qui ont produit beaucoup d'écrits et qui à un moment donné donc sont passés à l'acte et tous ces écrits ont été sérigraphiés sur des châssis de même format et ont été produits comme ça en série et donc avec des colorations différentes et avec ces mêmes châssis, enfin voilà, ils ont construit un mobilier. Donc c'était une pièce, bien sûr, c'était pas du tout une table à usage, hein, les programmes, enfin l'ordinateur, enfin et tout ce travail d'image qui pouvait se faire, qui apparaissait avec des logiciels comme Photoshop. Voilà, j'ai commencé un peu à aller à photographier ces pièces et à les travailler. Et dans toujours ce questionnement sur que peindre, enfin comment je peux envisager une suite dans mon travail et petit à petit développer réellement une pratique de la peinture, voilà, il a fallu que je pose un peu comme ça ces moments un peu critiques, enfin de conversation où comme une image il fallait pouvoir se dédoubler, il fallait pouvoir dissocier plein de choses et ne pas être forcément dans une même confrontation à la peinture, enfin frontale face au tableau. Et donc ça allait amener, enfin dans ces petits sujets qui allaient s'installer, enfin dans mon travail, il était surtout question non pas de, c'était pas forcément pour envisager des manières de le peindre, c'était tout simplement essayer de les dire très fortement, quoi. C'est-à-dire que simplement donner une matière à une image, c'était pour moi déjà quelque chose de d'essentiel, de vital pour ma pratique. Donc voilà, alors bien sûr le futuroscope comme un paysage possible, mais également faire des tableaux abstraits, c'était important, mais bon, donc une abstraction pas forcément dans le partage du tableau, dans une composition, dans une suite comme ça, enfin une peinture construite, enfin constructiviste, mais au contraire, simplement désigner un lieu, ce lieu où ça bouge. Hein, et là, vous avez ici, c'était une exposition au SPOT, Centre d'art du Havre, où là, bon, ces tableaux, je les faisais bien sûr en atelier, sur des vrais châssis, sur des toiles tendues, mais il y avait aussi, je savais que l'opportunité, enfin le moment de l'exposition, allait offrir un enjeu nouveau qui était de... dans la question de l'apparition, c'était pas simplement déplacer l'objet de l'atelier à l'exposition, c'était justement peut-être investir, agir directement sur la réalité, les murs de ce lieu. Et donc les tableaux allaient être peints, enfin l'image donc allait être peinte directement sur les murs. Et là aussi dans des dégradés, dans des moments d'apparition différents. Alors là, vous en voyez deux. Il y en avait un troisième qui était sur l'autre mur d'en face, qui lui était encore plus carrément presque invisible. Et donc voilà, c'était pour moi, enfin déjà des enjeux importants qui étaient autant le travail d'atelier, enfin est important. Enfin, c'était presque des moments de mise à distance avec le monde, d'observation, de réflexion. Et il y avait très vite, dans l'enjeu de l'exposition, quelque chose de plus, je dirais pas radical, mais enfin d'une intervention, d'un geste assez décisif. Donc voilà, alors effectivement, ces tableaux abstraits, ils étaient, une fois pour toutes, ils allaient dans mon travail jouer ce rôle, ça allait être des tableaux abstraits qui allaient pouvoir... réapparaître dans d'autres histoires, dans d'autres expositions qui allaient suivre. Et petit à petit, enfin là aussi, je commençais à réfléchir sur
Ben comment je savais qu'à un moment donné, peut-être ces tableaux abstraits allaient pouvoir rencontrer aussi des lieux comme le Futuroscope, et peut-être que là, de nouvelles histoires, de nouvelles aventures allaient pouvoir se tramer, quoi. Et donc, c'était pour moi plutôt salutaire que de pouvoir espérer ce type de cohabitation, quoi, de faire... Les tableaux abstraits allaient jouer des rôles, comme le Futuroscope allait pouvoir aussi jouer son rôle. De la même manière, la question de la figure aussi est importante. Enfin, s'il fallait peindre une figure, qu'est-ce que j'allais pouvoir bien imposer comme figure un peu générique, comme, là aussi, il y a une rencontre aussi importante qui était d'un tableau de John Curran qui est dans la collection du FRAC Poitou-Charentes. John Curran, lui, à l'inverse, on en parlait un peu, il commençait à apparaître donc, au début des années 90 en France. Et d'ailleurs, c'est Frédéric Paul qui était. Au FRAC Musée en 95. Voilà, c'est ça. Et donc, John Curran, un peu, c'était tout l'inverse de moi, de ce que j'espère. D'une posture, lui, en tant que peintre américain, lui, il a complètement réinvesti une histoire plus continentale de la peinture, donc à revisiter une peinture 18e, et un peu comme un cow-boy solitaire, lui, il allait réenvisager la peinture en repeignant, en recitant des styles, des figures, avec bien sûr en fond toute la société américaine, donc. Dans des séries de portraits de femmes qui faisaient poser dans son atelier des femmes, je pense, qui existaient. Et là, notamment ce tableau qui s'appelle, c'est une professeure de sociologie, donc sociologie professeur, qui appartient donc aux collections du FRAC Poitou-Charentes. Ce tableau, donc, c'est un tableau type 19e, hein, aller de 3 quarts, c'est un format vertical. Et donc, moi, j'ai très vite emprunté cette figure et je l'ai replacée dans des questions d'image, dans des formats plus télévisuels ou plus cinématographiques. Et là, je pouvais aussi reparler de peinture sans forcément en faire et commencer à faire des petits films d'animation où là, elle-même, elle pouvait... je la faisais cracher et je la faisais cracher finalement une matière qui était finalement... présente derrière elle, dans le fond. Et là, vous voyez là un peu la fin de l'animation, où il y a les dernières couleurs de peinture qui viennent, mais à un moment donné, elle se recouvre complètement, elle disparaît dans son fond, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est un film en boucle. Alors ça, c'est la deuxième animation que j'avais faite avec cette figure. La première était toute simple, c'était simplement, elle disait qu'une seule chose, elle appelait John. John, qui était son auteur, et... toujours dans cette question-là, quoi. Est-ce que et elle-même en tant que elle dans son statut de professeur de sociologie, ça pouvait aussi renvoyer à n'importe quel jeune et à nous tous, quoi. Donc voilà encore, une manière de toujours, de manière très elliptique, de manière extérieure au tableau, de poursuivre comme ça mes réflexions sur la peinture. Voilà une autre installation de tableau. On reconnaît justement ces tableaux abstraits, ces tableaux là aussi que j'avais décidé, ils joueraient le rôle de tableaux abstraits. Là, c'est dans une. Ce qui me plaisait là aussi, c'était. On n'est pas dans un musée, c'était lors de l'anniversaire des 40 ans du CAPC, où là, c'est une exposition hors les murs dans une salle de concert qui s'appelle le Rocher Palmer, qui est à Bordeaux. Et c'était curété par Didier Arnaudet. Et là, ça me plaisait bien parce que c'était un peu exactement comme ça que je voulais les montrer, ces tableaux. C'est-à-dire que je voulais plus. Là, il y avait une vraie rencontre, là, à nouveau, avec des choses qui m'ont marqué dans la peinture, qui étaient les jungles du douanier Rousseau. Et là, c'était à nouveau la rencontre d'un motif abstrait qui bouge et qui pouvait tout à coup se planquer dans la jungle, être caché. Être là en attente parmi les herbes et la densité de la jungle. Ça, ce sont des tableaux qui font 140 par 140. Oui, donc c'est quand même du grand format par rapport aux jungles du douanier Rousseau, au fond. Hein. C'est oui, un agrandissement, quoi. Oui.
Mais là, du coup, enfin, ça me plaisait parce que c'était un peu dans une ambiance. C'est un bâtiment, bien sûr. Enfin, c'est le monde de la nuit, hein, du concert. Et là, je voulais. Ça me plaisait toujours de montrer. Quand je vous parle de rôle, enfin, quand les tableaux à un moment donné, enfin, jouent un rôle, c'est qu'ils, bon, voilà, ils viennent s'inscrire dans un scénario toujours particulier selon les. Les modalités, enfin selon le lieu dans lequel ils vont être montrés. Et là, ça me plaisait, c'est des tableaux que j'avais décidé de toute façon de ne pas les accrocher, ne pas les mettre au mur, et les montrer toujours appuyés contre un mur, un peu comme des pots de fleurs, quoi. Et ça, c'est une idée, autant dans un premier temps, je m'affranchissais de l'objet, du tableau, en peignant directement l'image sur les murs. Là, c'était une manière de revenir, de reparler de cet objet qui pouvait, un peu comme Arm Leader a pu le faire, et retrouver pleinement un objet, un statut beaucoup plus décoratif, trivial, ou alors carrément... Carrément trivial, un peu comme ça. Carrément. Un peu trivial, c'est-à-dire c'est plus vraiment une image illusionniste, mais c'est au fond un objet posé contre un mur. Tout à fait, sol, ouais. Quoi, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que j'aime bien parler de... Comme un pot de fleurs, quoi. Il pourrait y avoir des plantes. Enfin, ce serait un peu pareil, quoi. Faut pas que tu parles trop près du micro, Franck. Ouais. Je vais me faire entendre aussi. Ça résonne un peu. Voilà. Toujours dans la même histoire. Enfin, bon, on continue un peu à vivre, à travailler. Et après, y a aussi des rencontres qui se font. Enfin, des rencontres de personnes. Et là, à Bordeaux, il y a une rencontre qui a été assez aussi déterminante d'un ancien, quelqu'un qui a fait en fait les Beaux-Arts de Bordeaux et qui s'est un peu cherché, qui est parti et qui, au moment de revenir à Bordeaux, il avait ce projet de monter une galerie. Il s'agit de Thomas Bernard et une galerie qui est devenue, qui s'est appelée et qui s'appelle toujours la galerie Cortex Atletico. Donc c'était au tout début, il avait ce projet, on s'est rencontrés, et puis lui, il louait ce local à Bordeaux, qui était en fait une ancienne petite usine, une ancienne laiterie. Il y avait au-dessus une mezzanine et donc des ateliers dans lesquels je travaillais. Et là, très vite, on a mis au point, des expositions. Il m'avait demandé, donc, pour commencer à étoffer un peu, envisager des artistes possibles dans la galerie, donc d'inviter quelqu'un quoi, à faire une exposition un peu à deux, en duo. Quoi. Et donc, dans le même moment, chez Yannick, à Limoges, j'ai fait la rencontre son nom m'échappe. De Rob Julius. Voilà, et donc son travail m'avait. Je découvrais, j'étais assez surpris par ce travail sonore, tout en finesse, très minimal. Et donc on s'est rencontrés, et très vite, moi je lui ai proposé donc, de faire cette expo à Bordeaux, dans les tout débuts de cette galerie. Et donc il a accepté, et j'étais content de faire cette demande justement, je voulais pas forcément proposer ça, demander à un peintre. Là, il y avait quelque chose de complètement, très différent, quoi, dans nos vies. Rolf, c'était encore une autre génération. Puis ça me plaisait bien qu'il arrive d'ailleurs. Et donc, on s'est très vite entendu sur. Je voyais déjà une espèce d'ambiance avec ses haut-parleurs, ses vibrations. Et puis, moi, j'avais fait un projet aussi direct, par rapport à la galerie. J'avais modélisé la galerie en 3D. Et donc simplement par un code couleur très simple, quoi, avec des gris, des rouges et des bleus. Bon, j'avais rempli un peu chaque surface, quoi, de cet espace. Donc vous pouvez reconnaître ici c'est une suite de 5 tableaux où on revoit finalement la colonne de la mezzanine. Enfin, on revoit l'espace dans lequel ces tableaux sont accrochés, quoi. Avec en plus une présentation, vous voyez en fond un papier peint qui avait été édité justement auparavant par le spot du Havre, dans lequel je remonte cette petite image des conversations dans lesquelles je suis assis sur le mobilier d'Art & Language, avec en plus des petites bulles qui font paraître des couleurs. Donc voilà, là aussi le début d'une aventure où, d'une galerie où il y avait maintenant des enjeux marchands, et ça aussi ça a été... c'est important, c'est aussi dans nos vies. Moi je travaillais avec Thomas Bernard, j'étais très proche donc de cette naissance, et j'ai pu voir à quel point c'est compliqué, quoi, c'est pas rien. Et du coup, ça me ramenait à des choses plus concrètes, quoi, dans la
le marché, et puis du coup c'était une belle aventure qui se poursuit encore. Est-ce que tu peux accélérer, Franck? Ouais, j'accélère. Bon, voici donc encore une image de cette, ce mobilier d'Art & Language qui a été remodélisé en 3D, ça a donné un film aussi, un film qui a été montré dans un dispositif, ça c'était au Musée des Beaux-Arts de Nantes, où là je refais apparaître enfin, des motifs, ces cercles, mais qui sont en vue non plus frontale, mais vue de biais, avec au centre justement ce film qui était montré et les tableaux sur les côtés. Et là ça me plaisait aussi de réinstaller tout ça et de mettre plus forcément le tableau au centre enfin, de nos regards, les mettre comme ça sur le côté, et que le spectateur puisse être un peu immergé dans une histoire un peu très science-fiction et qui parle, enfin bon, le film, j'ai peut-être pas le temps, enfin ça parle un peu du langage, d'un philosophe du langage qui s'appelle John Searle, enfin voilà, c'est une petite histoire, enfin une anecdote sur la chambre chinoise, enfin voilà. Toujours Bernard de, voilà, on peut voir ce film. Voilà, toujours dans toute autre chose. Voilà, encore une fois, comment on peut improviser une exposition où là, j'ai accroché, j'ai oublié, bon, là aussi, un autre personnage qui a intégré les histoires. Bon, c'est l'inspecteur Derrick. Très tôt, j'avais peint comme ça un certain nombre. Et bon, là aussi, au début, ça pouvait être un joke comme ça, mais c'est vrai que ça parle beaucoup, moi, de toute cette... cette peinture allemande que j'ai regardée de près quand même, et je pense qu'entre Richter, entre les Bécheurs, Richter et même Derrick, on est quand même dans une même ambiance d'image, et moi j'aime même y retrouver, enfin dans cette série là, en plus c'est quand même une série, dans les séries qui nous a accompagnés pendant 20-30 ans, et on pouvait voir petit à petit l'image vieillir, enfin le personnage vieillir, et puis l'Allemagne aussi, enfin la modernité, enfin en fond... Ça se passe à Munich, et voilà, tout ça me plaisait. C'était déjà des ambiances, des types d'images qui me plaisaient beaucoup. Donc là, c'était, voilà, j'avais fait trois Derrick dans le café de mon quartier à Bordeaux, et tenu par un Libanais qui s'appelle Nagy, qui était marié en plus à une Allemande. Donc voilà, ça s'est fait, c'était un bon moment de plein d'humanité avec... voilà, en fond, ces trois personnages très... là aussi, bon, c'est très sériel, très froid, mais quelque part, en le répétant, en le peignant, c'était... il avait toujours... il était dans des transformations comme ça, à peine... toujours un peu dans son énigme, quoi. Enfin, Derrick lui-même, déjà le peintre s'était déjà parlé de toute... cette énigme de l'image, lui-même étant un commissaire, toujours avec un passé un peu douteux, qui nous renvoie à des moments peut-être un peu plus, moments historiques un peu plus difficiles. À propos de l'énigme, derrière chacun des Derrick, on aperçoit quelque chose qui ressemble à du langage. Tout à fait, ouais, il y a un mot finalement, c'est un même mot ici là qui... voilà, c'est un mot allemand qui défile derrière, quoi. Et là, c'est toi qui prends ton petit déjeuner. Ouais, là, je suis... Ouais, pour la photo, ouais. Pour Ricard. Non, c'est... Peut-être un whisky, mais ça... Voilà, encore aussi une expo qui s'est faite aussi en urgence. C'était au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Le conservateur m'a appelé, vite fait, il y avait un trou. Enfin, l'exposition qui était programmée a dû être repoussée. D'un mois, donc il m'a proposé l'expo d'avant a été vidée, donc c'était sur un peu, je crois, un peintre des années 20, et donc il y avait des vitrines d'installer, il y a tout un mobilier avec des documents comme ça, et donc voilà, ça s'est fait très rapidement, et là j'ai repris un peu comme au Havre, j'ai fait apparaître, il y avait comme ça trois ou quatre peintures, grands tableaux abstraits qui venaient apparaître ou disparaître sur les murs du musée. Toujours là, bon, ben là vous reconnaissez le lieu, hein, c'était dans l'expo donc en 2011 au FRAC, et là aussi avec une configuration de lieu assez particulière, et donc du coup j'avais montré, j'avais repensé à ce film John qui appartient au FRAC Poitou-Charentes, et du coup là je voulais ne plus faire apparaître la figure et faire apparaître que le sous-titre, quoi, tout en sachant que
Enfin, là aussi, ça me plaisait que de voir que, enfin, une image, rien qu'un sous-titre sur un monochrome, mais du coup, c'était, il y avait une surenchère aussi conceptuelle sur l'absence et que c'était déjà une image, quoi. Un titre, un sous-titre, c'était pleinement une image, quoi. À partir du moment où c'était animé, alors dans la première, on avait John, et la seconde, Ed John. Et en face, on avait aussi trois tableaux abstraits qui bougeaient, donc il y avait comme ça une manière, un parcours chez le spectateur qui... On n'était pas forcément obligé de s'arrêter devant le tableau, de s'arrêter, de regarder. On pouvait, comme un travelling, parcourir comme ça sentir la présence par le déplacement, tout simplement, de ces images. Là encore une rencontre, un petit film qui est au FRAC Limousin, quoi, où là aussi la rencontre d'un motif abstrait avec ce personnage, avec cette professeure de sociologie, où ce motif il surgit du fond, il vient petit à petit passer devant le personnage. Donc c'est un film d'animation très simple, il y a 240 images, et voilà, l'image numéro 170, je crois, c'est cette image où le motif recouvre pleinement la figure, et qui du coup s'est retrouvé, c'était à nouveau une proposition murale pour c'était la maison, le centre de Saint-Thierry-Aix dans la Vienne, toujours une proposition de Yannick. Donc, vous voyez comment un peu petit à petit, à chaque fois, on peut rebondir entre une image fixe et comment des histoires peuvent se tramer. Là encore un autre souci, dans la vie d'un artiste, c'est les foires. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez particulier, et se retrouver souvent dans ces situations où d'arriver, de débarquer sur un plateau avec des gens en train de monter des cloisons qui tiennent à peine, où là, effectivement, on n'était plus face à des murs, face à une architecture, et au contraire, devant quelque chose de très fragile et qui allait durer comme ça 2-3 jours. Et ça a provoqué le désir de faire des objets comme ça, assez de passer un peu en relief, faire presque des sculptures et de fabriquer un peu comme si c'était vu la fragilité du mur. Alors cette pièce, ça s'appelle des squelettons. Et je voulais un peu essayer de reparler de comment on a pu dans les années 70 dissocier le châssis de l'image. Là, je voulais faire des vrais objets qui, en fait, montrent autant la structure que la structure de l'image, c'est aussi la structure même du support, quoi. C'est qu'il n'y a pas de dissociation entre support et image, que là, finalement, c'est un tout. Et que placer comme ça dans une foire, c'était aussi reparler d'un décor, comme si c'était un objet qui contenait, qui absorbait son propre environnement, quoi. Qui était elles-mêmes déjà eux-mêmes des surfaces peintes, des murs, des cloisons, qui pouvaient redevenir finalement des structures, des propositions de tableaux, quoi. Voilà, encore une exposition collective, ça c'était au Centre Pompidou, une exposition, c'était plutôt bien, parce que c'était sur la ventriloquie, et là du coup j'ai remontré ce petit film John, où ça parlait bien de la voix dissociée, quoi, hein, parce qu'en plus cette voix, c'est la voix que je lui donne, c'est la mienne que je trafique, que je monte de 2-3 tons comme ça pour lui... la féminiser un peu, et donc du coup elle était dans cette expo qui était, je trouvais plutôt bien, curatée par Paul Bernard, qui travaille au MAMCO maintenant, et voilà, ça parle bien de, et j'aimais bien la placer encore une fois, dans, non pas comme un film, proposition de film, mais retrouver un moniteur un peu, plutôt années 80, et puis la placer sur un meuble d'administration, tout ça sur un fond à papier peint, je crois, sont des peintres Turcic et Mille, non, je pense. Encore des conditions très particulières d'exposition. On revient à la galerie Cortex Atlético, qui a déménagé, qui est maintenant, qui avait investi un lieu face au CAPC, et des petites peintures plus récentes, qui sont faites un peu parallèlement avec les squelettons, et qui, on comprend que, quand je vous parlais de les enjeux d'exposition, où là il n'est plus du tout question de... j'essaie de repenser, de fantasmer un peu à
à des accrochages, à des présentations comme ça, à présenter des lieux qui soient un peu des lieux hyper, hyper privés, comme ça, où on puisse retrouver autant les dégradés que des matières peintes existantes dans mon travail, que je ne vous ai pas montré, mais que vous avez pu voir hier dans l'ensemble des petits panneaux et Heroes, où ça, c'est une matière peinte, ce sont des plastiques fondus, de sculptures, enfin, voilà, de repenser comme ça des aménagements, où là aussi, le tableau lui-même pouvait lui-même être provoquer son propre espace d'exposition, en fait, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est des tableaux d'exposition, pour reprendre un peu la formule que Alain Doré, qui est à côté de moi, a aussi pour certains de ses tableaux, c'est-à-dire des tableaux qui montrent finalement des lieux, certes, des lieux plausibles, décorés, mais qui seraient peut-être simplement des conditions de présentation des œuvres ? Ouais, après, moi, je pense pas forcément... Enfin, ça reste dans une ambiance quand même très... assez métaphysique, c'est-à-dire que je sais pas du tout des choses que je pourrais faire des projets, répondre à des projets réels, d'installation. Je suis pas sûr que ça, cette espèce de cabane qui apparaît, c'est pas forcément, je sais pas encore, hein, mais c'est pas forcément des choses. C'est avant même l'architecture, c'est avant même, ça parle toujours finalement d'un tableau qu'on pose ou qu'on superpose et qu'on voilà. Ce serait plus comme des maquettes alors pour le coup. Des maquettes de lieux d'exposition ? Maquettes voulant dire proposition, idée. Ouais, sauf que ça reste très mental. Hein, je veux que ça reste quelque chose d'hyper fantasmé, d'hyper cérébral, parce que c'est un peu finalement que dans ces petits tableaux où la matière peut surgir vraiment, enfin où elle est. Elle est plus fantasmée, quoi. Et voilà, bon, quand c'était à Titico, il y a un lieu qui s'est ouvert à Paris, et là, dans le même temps, à Bordeaux, et à cette exposition à Paris, avec toujours ces petits tableaux, ces natures mortes d'espace, quoi, avec quelques squelettons, quoi, présentés. Ça, c'était il y a 2 ans maintenant. Voilà, bon, j'espère que j'étais dans les temps. Et... Oh, oui, c'est parfait. Peut-être qu'il y a des petites questions, des précisions. On a perdu un peu de temps avec la technique au début, mais non, c'est très bien. Des questions, des précisions ? Non ? On enchaîne ? On écoute Yves ? Donc, j'ai l'habitude de ne pas montrer de reproduction de tableau. J'aime montrer, quand je présente mon travail, d'ailleurs je vais le mettre sur un autre mode, mais j'ai l'habitude de montrer des vues d'exposition sensation que j'aime pas voir mes tableaux dématérialisés en projection comme ça, hors échelle, etc. J'arrive pas. Ah oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et donc je montre que des vues d'exposition. Ici, c'est, presque... Enfin, c'est pas du tout ma première exposition. C'est à la Villa Arson en 91. Donc je me disais qu'il fallait que je parle vite de ce moment, disons, en 81, entre 81 et 91, si vous voulez. C'est la sortie de France, la sortie de l'art conceptuel, la sortie de l'Arte Povera qui m'intéressait, des tas de choses comme ça, et que j'étais paumé et qu'il fallait... j'avais envie de continuer quand même à peindre. Et donc j'étais résident à la Villa Arson et je fais une exposition. Alors j'avais eu des expériences, donc j'en parle un petit peu quand même parce que c'est inévitable. En Allemagne, j'avais été en 84 ou 85, je pense, assez longtemps, pendant un an, en Allemagne, en résidence à Düsseldorf, un peu comme un... J'ai pas fait les Beaux-Arts, et donc un peu comme un... Je pense que c'est une situation dans laquelle vous pourriez pas vous trouver aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas avoir fait les Beaux-Arts, mais d'avoir une bourse relativement institutionnelle qui serait plutôt à des étudiants. Je pense que les écoles d'art, aujourd'hui, trustent... Ou à juste titre font profiter leurs étudiants de ce qui est proposé par les différentes instances. Et donc moi, j'étais pas étudiant, mais j'avais eu la chance d'avoir une bourse d'études pour aller à Düsseldorf.
en tant qu'artiste. Et donc j'avais rencontré toute la scène allemande à l'époque, et Yannick le sait, tu voulais l'introduire dans l'exposition, j'étais particulièrement proche d'un artiste qui s'appelle Ludger Gerdes. Mais c'était tout un groupe d'artistes, sculpteurs, peintres, chuteux, etc. Et en l'occurrence, quelques années après, donc bien que j'ai rencontré Ludger ou bien d'autres gens, hein, à la Kunstakademie à Düsseldorf, etc., ça ne m'avait pas forcément tant que ça aidé à savoir ce que je pouvais faire en peinture. C'est-à-dire que j'arrive à Düsseldorf en ayant l'idée qu'il faut arrêter la peinture, mais comme tout le monde à mon époque, enfin, je partageais cette sensation avec plein de jeunes artistes. Et par exemple, vraiment, bref. Et donc, en l'occurrence, j'ai rencontré, évidemment, il y a une scène de l'art et plein de peintres qui savent à quoi destiner leur travail, et un marché, etc. Et qui utilisent beaucoup la photo. Vous savez, il y a tous les élèves de Richter qui font des tableaux avec des photos projetées, etc., etc. Et en tout cas, bêtement, quand je repars d'Allemagne, enfin, quand je fais des allers-retours pendant plusieurs années entre l'Allemagne et la France, et avant d'avoir cette résidence à la Villa Arson, je continue à travailler et à peindre, mais je refuse à un moment donné, je veux que ça soit un peu clair, je refuse d'utiliser des photos pour travailler. Donc je cherche à faire des choses sans photos, et ces tableaux sont le fruit de je crois que j'ai noté chez Franck, par exemple, ce qui pouvait générer l'envie de faire ces tableaux, un certain rapport au monde. Je voulais faire des tableaux qui étaient le résultat de mon parcours dans le monde. Et donc, par exemple, là, je faisais plein de dessins quotidiennement. Enfin, par exemple, je voyageais beaucoup. On est à Nice, vous voyez où c'est géographiquement. Il fallait bien que je circule. J'habitais encore un peu à Lyon, mais j'allais aussi à Paris. Et en fait, je faisais des dessins, beaucoup dans mes trajets, et des dessins qui avaient genre... des dessins très mnémotechniques, c'est peut-être pas le mot, mais enfin très spontané, de choses vues très vite dans le train, et ça a donné, en revenant à la Villa Arson, ces tableaux. En tout cas, ces tableaux, je les ai très vite, cette exposition qui m'avait intéressé, mais je l'ai très vite pensée comme insuffisante ou pas bien, et très insatisfait, et parce que je trouvais les tableaux trop emblématiques, trop simples, trop simplifiants. Bon, une maison, deux maisons, un immeuble, ça ne m'intéressait pas tellement. Et j'ai fait un... Alors, je me suis dit, pour aujourd'hui, pour donner aux étudiants envie de rebondir, aux jeunes de l'expo, puisque Yannick a dit qu'il y avait deux générations, j'avais envie d'envoyer à chaque fois, de vous lire à chaque fois un tout petit truc, des espèces d'aphorismes. Parce qu'en fait, je n'aime pas écrire, mais il se trouve que finalement, depuis 20 ans, j'en ai... À chaque fois, à chaque étape ou pour chaque expo, j'écris un peu des trucs. Et en tout cas, je voulais vous lire un truc que j'avais, qui était dans le catalogue de la Villa Arson, qui était une citation. Donc à Villa Arson, pour le catalogue, on avait fait un entretien avec un artiste que j'aimais beaucoup, qui était résident, que j'aime toujours beaucoup. Je vais aller prochainement voir une expo de lui, Jorge Ribalta, un artiste espagnol. Et on avait fait un entretien dans le catalogue, pas un entretien, un échange de correspondance. Et j'avais cité cette chose de Nietzsche dans Le Gai Savoir. Fidèlement, la nature, toute la nature serait-elle jamais épuisée dans l'image? Infinie est la moindre parcelle du monde. Il n'en peint finalement que ce qui lui plaît. Et qu'est-ce qui lui plaît? Ce qu'il sait peindre. Bon, j'avais cité ça dans le catalogue de la Villa Arson. Et je dirais comme ça, je l'avais cité, pas parce que ça m'interrogeait, je me disais que ça pouvait vous amuser d'en parler. En tout cas, la Villa Arson, je rencontre un artiste allemand qui Christian Bernard, qui était à l'époque directeur de la Villa Arson, me met en lien avec un artiste allemand qui veut qu'on fasse quelque chose à Cologne. Je retourne à Cologne, donc je n'avais jamais quitté. Et en fait, je n'étais pas très content de ce qu'on avait fait à Cologne, mais je ne suis jamais très content.
Donc, mais je reste en Allemagne et Ludger Gerdes me prête son atelier gratuitement, enfin très généreux, et il me dit t'es pas bien dans ce contexte à Cologne, dans cet atelier, etc. Je te prête mon atelier et je suis resté plus longtemps avec plein de problèmes d'argent parce qu'on me prêtait un atelier mais j'avais pas de quoi vivre. Mais j'en ai profité et j'ai travaillé chez lui. En tout cas, je reviens et je reviens en France. Donc là, c'est un ensemble de choses à Marseille. Je reviens en France avec plus de fermeté sur ce que je voulais faire, c'est-à-dire plus de rejet de choses richteriennes. En tout cas, j'avais un peu pointé quelque chose qui me manquait, c'est-à-dire l'impossibilité d'avoir un sujet en peinture. Et en même temps, répondre à ça. Et donc, je reviens et j'ai un atelier dans les ateliers du boulevard Boisson à Marseille. C'est des ateliers pour les jeunes artistes, quoi. Une petite résidence encore d'un an ou un truc comme ça. Et je reviens avec, sans doute, au niveau des dates, je ne me rappelle plus exactement, mais l'intention de faire ces tableaux d'immeubles que je n'avais pas pu faire à Düsseldorf, parce qu'à Düsseldorf, j'avais l'impression qu'il y avait les artistes allemands qui étaient au-dessus de mon épaule et ça m'énervait. Qui regardait ce que je faisais, parce que c'est très comme ça quand même. Et donc revenu tranquillement à Marseille, dans ce petit contexte, j'avais l'intention de faire des tableaux d'immeubles. Et puis, donc ce que j'appelle les tableaux d'immeubles, qui sont, il y en a un au Frac là, etc., qui sont ce que je revendique le plus, quoi. C'est par là que j'ai commencé. Et au moment où j'avais commencé à faire les tableaux d'immeubles, finalement, à Marseille, on me dit « mais il faut que tu montres ton travail ». Et je leur dis « mais je ne vais pas montrer mon travail boulevard Boisson parce que ce petit truc pour les artistes, ça ne m'intéressait pas tellement. Je veux montrer mon travail dans un lieu public. Et je propose de faire une exposition dans un lieu public, et je cherche un lieu public, et je trouve l'aéroport de Marseille, qui n'était vraiment pas très adapté à montrer des tableaux. » Et je mets un ensemble de tableaux, donc on est d'accord, je convainc la mairie, les entreprises de m'allouer les panneaux publicitaires sur lesquels j'ai posé les tableaux. Et puis une fois que tout était organisé, que j'avais même un peu de sous, de quoi publier quelque chose, je me suis rendu compte que c'était absurde de mettre 7 tableaux d'immeubles, enfin, ce qui d'ailleurs n'était pas mes tableaux d'immeubles, je mettais... Donc à ce moment-là, je dis, je m'invente un programme de commande publique fictive. Je réponds, mon œuvre, mon travail, j'aime pas ce mot œuvre, mais mon travail sera de répondre à une commande publique fictive. Je m'invente une commande publique fictive. Alors l'histoire de Marseille, c'était typique, je m'étais inventé une commande publique fictive et je me trouve dans un contexte public comme une commande publique fictive. Sauf que les immeubles carrés ne correspondaient pas au format des panneaux publicitaires. Donc j'ai repris... J'ai refait marche arrière, mais très momentanément, avec une espèce de volonté de répondre à ce que j'avais mis en place, mais ça serait mon dernier paysage, si vous voulez. Donc c'est les stacks. Et j'ai conçu cet ensemble de 7 tableaux dont vous ne verrez pas plus l'image. C'est la grande chaîne de l'Estac qui longe le port autonome de Marseille. Et il y avait quelque chose géographiquement dans l'endroit où est l'aéroport à Marignane, assez juste par rapport à la façon dont on a une vue à Marseille. Et donc ça prenait la place, tes tableaux, le temps qu'ils étaient exposés, ils prenaient la place des publicités. Ouais, des publicités qui étaient louées, des espaces publicitaires loués assez chers. Et j'avais convaincu une par une les entreprises louant les espaces publicitaires d'accord. De me laisser la chose. Alors ici, c'est ma première exposition avec les tableaux d'immeubles. Donc je suis revenu à Lyon. J'ai un atelier un peu plus confortable pour faire ces tableaux correspondant à un espèce de programme que je me serais donné, qui serait donc de faire pendant un certain temps. Enfin, je n'avais pas prévu à l'époque combien de temps. J'ai bien aimé la façon dont Nina a parlé de cette question de série, etc. Ce n'est pas à proprement dit une série. J'ai jamais eu le mot série, je ne me le suis jamais approprié. Ce fait qu'il n'y a pas de fin ou pas, je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas une série. Je ne fais pas une série de tableaux d'immeubles. Je me suis donné un programme très précis. Par exemple, le format est régulier et identique, etc. Et puis, vous voyez apparaître ce tableau, le tableau orange, là, qui est un plan. Enfin, vous êtes d'accord que l'image correspond au plan du tableau, enfin, est parallèle au plan du tableau. Et ça correspond à un immeuble à Cologne. Alors pour le coup, je revenais un petit peu sur sur mon terrain. Et de ce tableau, je l'ai comme étendu, j'ai fait une extension et j'ai fait un papier peint
qui a donné lieu... Christian Bernard était venu voir l'exposition de Saint-Priest, donc dans la banlieue de Lyon, celle-là, et m'avait dit, bon, on va faire la même chose au MAMCO, et comme Christian, il est... On n'a pas fait les choses à moitié, donc on a fait, on a étendu ce papier peint au MAMCO. J'avais peu de temps auparavant fait une exposition où je montrais les tableaux de façon donc très brutaliste sur le papier peint, les effets de couleur et optique assez denses par rapport à la vision sobre, enfin une bonne vision des tableaux. Et donc, au MAMCO, on avait montré un ensemble de tableaux dans cette salle qui est souvent dédiée à la peinture. Voilà. Et le travail était mis en place. Un tout petit mot, Yves. Ouais. L'exposition précédente que j'avais vue, puisque moi, à l'époque, j'étais à Lyon, et je crois que c'est même la fois où j'ai fait connaissance avec ton travail, il y a, me semble-t-il, quand même quelque chose qui est un peu différent. Si, est-ce que tu peux revenir en arrière ? C'est-à-dire que sur cette vue donc de l'espace d'exposition, on s'aperçoit que le papier peint, en fait, tu le poses sur un mur qui est en fait un mur rapporté dans la salle. Ouais, c'était même l'argument de faire le papier peint, parce que je me disais, dans cette exposition, il faut que je sois ferme sur les problèmes que je rencontrais. Or, il y avait cette cimaise, c'était un centre d'art de la région lyonnaise, très pauvre, enfin, il n'y avait pas de moyens, etc. Et il y avait cette cimaise qui se déplaçait, etc. Et j'aimais pas cette cimaise, je savais pas quoi en faire. Enfin, je pouvais pas accrocher de tableau dessus parce que j'avais la sensation, j'ai toujours la sensation, mais j'avais la sensation que j'accroche des tableaux sur des bons murs, que mes tableaux métaphoriquement sont lourds parce que c'est des immeubles. Vous êtes d'accord que c'est lourd un immeuble et que c'est chargé et donc il faut un bon mur pour accrocher un tableau. Et donc, j'accroche pas un tableau sur une cimaise qui bouge. Mais par contre, que je pouvais pas être neutre avec, je devais la prendre en main. Et donc, elle avait été déplacée complètement sur un côté du lieu, de l'espace. Et elle bouchait presque, elle bouchait pas, elle faisait une espèce de couloir. On tombait dessus en arrivant. Et voilà. C'était pas passif, si tu veux. Voilà, d'une part. Et puis surtout, ce papier peint, donc, il est comment dire, il matérialise en fait un mur qui a été rapporté dans la salle, d'accord, et qui va servir plus ou moins selon les expositions, qui va être déplaçable, etc. Mais surtout, sur ce papier peint, sur ce mur rapporté, il n'y a pas de tableau. Non. Voilà. Non, mais c'était une sorte de maquette d'immeuble, hein, par cinq côtés. Mais du coup, c'est assez important, parce que moi, je me rappelle, effectivement, la sensation, c'était qu'on avait vraiment l'impression que c'était que le dessin fabriquait... Il était recto verso sur toutes les faces, quoi. Mais cette cimaise était... Le dessin fabriquait quelque chose qui ressemblait presque à un empilement de caisses, de cajots, enfin, quelque chose comme ça. On pensait à l'immeuble ou à une maquette, mais à quelque chose qui était aussi un empilement, alors, comme ça. Pour reprendre cette chose, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, à cette époque-là, et je me rappelle quand je t'en avais parlé, Yannick, j'écris, par exemple, « Que communiquent mes tableaux ?» Une opinion sur les blocs d'immeubles, un point de vue sur la ville contemporaine, un documentaire sociologique, photographique, un nouveau témoignage de la bonne, mauvaise conscience des temps actuels, une peinture autoritaire, cynique, un simulacre d'art engagé, une peinture nostalgique par essence, un projet utopique, une réaction devant les images cibachromes brillantes et lisses, rien ou tout ça à la fois. Je me rappelle très bien, quand j'avais écrit ça, que tu avais trouvé que ce n'était pas très bien cette question « que communiquent mes tableaux ». Je trouvais que le mot « communiquer » n'était pas bien. Et je l'ai gardé, tu vois, puisque je le rappelle encore aujourd'hui. Non, mais je veux dire que la situation, du coup, au passage au MAMCO, on a l'impression que c'est effectivement une sorte d'agrandissement du principe, enfin de systématisation du principe. Mais la vraie différence, c'est que les murs recouverts de papier peint au MAMCO, c'est des vrais murs, des murs durs. Oui. Et alors sur donc, le papier peint, il y a des tableaux. Ouais. Et là, donc, c'était. Mais surtout, ce qui est important au MAMCO, pour moi, à ce moment-là, c'est qu'évidemment, je mets ces tableaux-là dans un contexte d'art contemporain et d'une forte historicisation des choses. Enfin. On est au MAMCO, il y a un vrai travail de l'histoire de l'art, il y a l'étage de l'art conceptuel, des salles très organisées qui bougent, donc on est... Et ce qui est frappant aussi, c'est que le papier peint, il change de couleur. Et il ne change pas forcément de couleur au même endroit, enfin, il ne change pas forcément de couleur à l'angle du mur. Alors, oui, sauf qu'il avait, dès le départ, ses couleurs, je ne sais plus ce qui avait été fait à Saint-Priest, mais je pense qu'il y avait plusieurs couleurs, très discrètement, parce que l'immeuble avait les trois couleurs du papier peint, ou quatre couleurs, c'est les couleurs de l'immeuble, hein, j'ai rien inventé.
Je n'ai aucune imagination, je ne cherche pas à en avoir et je ne souhaite pas en avoir. Et du coup, ce papier peint, il sert à quoi? Il sert à accrocher le tableau? C'est un support? C'est comment tu le... À Saint-Priest, il était là pour affirmer une position sur cette simèse. Si tu veux, cette simèse, je l'aurais bien détruite ou retirée. Et comme je ne pouvais pas la retirer, la détruire, tout simplement parce que j'étais pas... pour des questions économiques, quoi, pour pas les embêter, il fallait la rendre plus présente. Puisqu'elle était là, j'insistais. Vous la voulez. Bon, voilà. Bon, à la limite, ce papier peint, au MAMCO, je sais pas comment te répondre. Non, mais ça m'avait intéressé d'affirmer... je sais plus. Non, mais tu l'as un peu dit tout à l'heure, puisque finalement, le directeur du MAMCO, Christian Bernard, voit l'exposition et puis dit, on va essayer de le faire de manière un peu mieux. Ouais. Donc on a l'impression que c'est un principe comme ça qui est repris, qui est agrandi. Ouais, ouais. Sauf que c'est pas seulement un agrandissement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une légère modification aussi. Ouais. Bon, je l'ai pas fait au MAMCO, j'avais fait dans une expo avant. Ce truc. Alors, en fait, c'est assez bien, parce qu'il faut toujours affirmer les choses. Donc... de Saint-Priest, j'avais recouvert une simèse de papier peint sur lequel ensuite j'avais accroché des tableaux. Et au MAMCO, on a fait ça dans un espace plus complet, etc. Bon, il faut aller vite, non? Oui, oui, c'est bien. Et là, on reconnaît d'ailleurs en haut à gauche le tableau qu'on a vu hier soir. Bah, c'est pour ça que j'ai mis l'image. Hein. C'est une petite expo à Saint-Étienne, dans un tout petit lieu géré par des artistes, etc. Pas du tout de moyens et tout ça. Et... j'aimais beaucoup cette exposition, il y avait eu une bonne... il y avait du monde, etc. Pas comme les photos le montrent, mais... le lieu est vraiment petit, hein. Et en l'occurrence, il m'avait proposé de faire une exposition. J'étais un petit peu critique de ces... qu'ils auraient eu les moyens, c'était un lieu d'exposition, mais comme si c'était l'arrière-cour d'un café. Ça s'appelait le 9 bis... Et je trouvais toujours que les jeunes artistes ou les artistes qui exposaient là faisaient, comme toujours en art, trop quelque chose d'auto-référencé, etc. N'étaient pas assez en lien avec le contexte urbain, avec le contexte autour, etc. Et donc, quand ils m'ont proposé de faire cette expo, c'est pour ça que j'ai fait ce tableau de Saint-Étienne, de la muraille de Chine de Saint-Étienne, que je connaissais depuis longtemps cet immeuble et qui m'intéressait. Et il se trouve qu'au moment où on a fait l'expo, la muraille de Chine devait être détruite. Et donc, comme j'ai raconté hier, ils ont retiré la couche de la rénovation qui ne m'intéressait pas et qui m'a redonné à voir l'immeuble dans ses matériaux originaux, sa pâte de verre, etc. Et qui m'a donné qui m'a donné la possibilité de enfin pouvoir faire un tableau de cet immeuble. Et donc, il était dans le cœur de Saint-Étienne, le tableau, et il concernait beaucoup les Stéphanois, ça les intéressait. Et j'avais mis d'autres immeubles, d'autres... Je mets toujours en lien les tableaux ou les histoires des immeubles. Et pour la première fois, d'ailleurs, dans cette exposition, je montrais le tableau qu'on voit sur la dernière diapositive, celle-là. Vous voyez, oui, ce tableau-là, qui est un tableau du Mirail à Toulouse, et un peu comme une... enfin, c'est un des premiers tableaux qui est en lien avec les dessins que je fais, qui sont toujours très plans, la planéité parallèle au plan du tableau. Et à cette échelle-là, c'était peut-être le premier tableau que je faisais, et m'amusait que dans cette exposition, il n'y ait que 70 cm de recul pour le voir, ce qui était un peu absurde. Et j'aimais beaucoup cette absurdité. Donc là, j'avais été invité à faire l'expo, mais j'avais invité un jeune artiste qui est sculpteur et qui avait conçu cet ensemble de choses. Ça, je pense qu'il était très intéressé par Pariente, tu vois. Pariente, voilà. Oui. Et c'est vrai que moi je me rappelle avoir vu cette exposition. Je confirme que l'espace est très petit et était effectivement un stockage derrière la cour d'un café. Voilà, c'était un stockage. Oui, derrière oui. La cour d'un café. Mais de fait, l'espace, même s'il était très petit, il avait été travaillé par Frédéric Roire de telle sorte qu'on avait l'impression que c'était un espace aussi de stockage, mais peut-être pour des tableaux du coup. Oui, oui, oui. C'était pas fait. Des stockages pour tableau au départ, mais là il l'avait transformé en stockage pour des images, et de fait il y avait une sorte d'effet labyrinthique avec des plans comme ça et très peu de recul, ça je me rappelle. Et j'aimais beaucoup cette expo. Là je vais
En fait, j'ai un peu trop de diapos. Mais ici, ce sont une vue d'une exposition à Noisy-le-Sec qui était la suite d'une exposition à Bourges. Ici, ça doit être... Non, il n'y a pas Bourges. Enfin, c'est les mêmes tableaux. C'est pour ça que j'en parle ensemble. C'est la première expo. C'est en 2004, je crois. Oui, il y a marqué, d'ailleurs. Non. Enfin, bon. C'est comme... comme ironiquement, une photo sur une monographie, oui, c'est comme ça qu'on dit, une monographie sur un architecte. Je me passe une commande publique fictive, mais en plus, je fais une exposition qu'on ne me demande pas sur un architecte important. Et donc, c'était une monographie sur Jean Renaudy, que j'aime beaucoup. Et c'est à ce moment-là, au moment de cette exposition, que je comprends deux choses. C'est en faisant le travail que je le comprends, que... J'ai un sujet. Alors j'ai mis 10 ans à me rendre compte que finalement j'avais un sujet à mes tableaux. Et c'est quoi précisément le sujet? C'est quoi précisément le sujet? Tu te rends compte que tu as un sujet au bout de 10 ans, et c'est quoi le sujet? À l'époque, je pense que c'est les tableaux, je pense que c'est les immeubles modernes. Mais maintenant, je pense de plus en plus que c'est pas seulement ça. Et je vais vous le dire. En tout cas, ça a été une expo super importante pour moi, cette volonté de travailler pour un architecte. Il se trouve qu'il était mort à l'époque, hein, et je le savais. C'était assez marrant parce que, au même moment où je faisais cette expo, je ne savais pas, on me l'a dit, il y avait une exposition monographique à Londres, que je n'ai pas vue. Mais, alors, quelle est la fonction de mon travail de peinture et quel était l'enjeu, l'impact de cette exposition qui a tourné entre Bourges et Noisy, tout ça c'est bien étrange. Et en l'occurrence, ce qui pourrait continuer à être étrange, c'est que je continue ce travail sur Renaudy et pas fini, etc., etc. Ici, on voit bien le rapport entre des dessins. Par exemple, je pourrais vous raconter le début de cette histoire, de cette expo de Renaudy, c'est des jeunes architectes. Très proches de moi, qui me disent on travaille sur la réhabilitation d'une ville, d'un ensemble de Renaudy à Villetaneuse, au nord de Saint-Denis. Et ils me disent ça devrait t'intéresser. Je leur dis oui, ça m'intéresse, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et je leur ai fait des dessins qu'ils ont présentés quand ils ont présenté leur projet. Et puis je me suis dit faire des dessins, donc c'est ces petits dessins qu'on voit là. Et faire des dessins, c'est pas suffisant. Et j'ai fait les tableaux ensuite, qui m'a amené à faire ces expos. Donc je vais vite là-dessus. Vous voyez tous ces tableaux, le grand dessin, le dessin du même format que les tableaux, ça c'est les dessins qui sont en ce moment au frac, donc des dessins de 40 par 2,40 en deux lettres de papier, c'est pas à ce moment-là que c'est apparu, mais c'est récurrent dans mon travail. Il n'y a pas de hiérarchie entre les dessins et les tableaux. Il n'y a pas de... Un dessin ne prépare pas un tableau ne prépare pas un dessin, il n'y a pas de... Voilà. Ici, alors j'ai très vite, hein, c'est une expo récente, enfin en 2013 ou 2012, je ne sais plus, au MAMCO. Et vous voyez là le lien entre les dessins et les peintures. Ici, c'était une salle de peinture plate, enfin c'est comme ça que je les appelle, mais vous voyez toujours cette histoire de la façade qui est sur le même plan que le tableau. Alors j'aurais voulu vous... Je ne sais pas ce que j'avais... J'ai loupé pas mal de choses, mais bon. Non, mais c'est pas grave, tout va bien. Tout va bien? Oui, oui. Pas pour moi. Et non, mais oui, je veux pas te déconcentrer pendant que tu recherches, mais. Alors même... non, bon, en tout cas, ici, ça c'est voilà, ça c'est cette salle du MAMCO où il y avait des peintures plates. Ici, on va aller, donc vous voyez au fond là, c'est cette salle de peinture plate. Et alors c'est la même salle que quelques années auparavant, en 99. 98, je ne sais plus, c'est la même salle, vous voyez la différence d'accrochage, c'est les mêmes genres de tableaux, même si on n'a pas mis les mêmes tableaux dans les deux expos. Et non, il y a encore, voilà, ici c'est la salle, voilà, cette photo est mieux. Par exemple, une chose qui m'intéresse dans cette image, c'est que les tableaux de droite, cette entrée, c'est l'entrée de cet immeuble qui est là. Vous voyez, il y a toujours... Je vais jusqu'au bout de cette volonté de faire parler l'immeuble. C'est l'immeuble qui est important, c'est pas mes tableaux, quoi. Et donc,
non seulement il y a le tableau, mais le dessin, et je j'aime pas le mot zoom, mais on pourrait dire je zoome sur l'entrée et j'en redonne une vision, et il faut que... Ici, c'est un tableau important pour moi, la rue Erard à Paris, à rue Diderot, et ici, c'est un tableau de Yerevan. Alors, ça m'a amusé, ce tableau, parce que comme je fais souvent quand je voyage, évidemment, je ne connais pas bien Yerevan, vous pouvez imaginer, enfin, je ne sais pas si vous connaissez Yerevan, mais... alors, je rencontre souvent des jeunes architectes, des historiens de l'architecture ou des gens comme ça, enfin, les gens... On rencontre des gens. Et ils me disent où il faut aller, vous voyez ce que je veux dire. Et par exemple, à Yerevan, j'avais rencontré un monsieur qui était un critique d'art, historien de l'architecture, tout ça. Puis, comme toujours, quand on voyage, on se rend compte que ce n'est pas seulement en France... Ce monsieur qui était en contact avec des gens intéressants en Europe, etc., bien entendu, il se dit « Ah, je vais rencontrer un pan français, quelle galère !» Et parce qu'on a vraiment mauvaise réputation. Hein. Donc, c'est pas chic, quoi, de rencontrer. Il vaudrait mieux rencontrer un mec qui fait de la vidéo ou des trucs comme ça. Et finalement, on a discuté, on a bu des coups. Je lui ai dit que il a commencé à comprendre ce qui m'intéressait. Et puis, à force de discuter... Je vais dans son... Alors, il ne voulait pas dîner avec moi ce jour-là. Et puis, finalement, il m'emmène voir de l'architecture constructiviste. Alors, il était content, c'était de l'architecture constructiviste. Et puis, finalement, à la fin, quand j'ai été voir cette cour d'immeuble à Yerevan, qui m'intéressait, parce que c'était mon sujet, mais là, c'était un immeuble des années 30, alors que je ne vais pas souvent si loin. Alors, il était tout surpris que ça m'intéresse. Et alors, du coup, on a dîné ensemble. C'est drôle, quoi. Bon, il avait compris que je n'étais pas... un peintre comme on sait que... Enfin, mais comme on croit que... Je sais pas. Et ici, c'est un truc très important pour moi. Donc, la suite du même cours, on pourrait dire... J'ai pas mis de... Pour aller vite, j'ai pas mis d'images de toute l'expo du même cours, mais il y avait une série de tableaux qui concernent un ensemble d'immeubles à Genève qui sont les Avanchets, et c'est un grand ensemble de logements dont j'ai fait 7 tableaux qui sont restés à Genève. Et les habitants avaient été voir l'exposition du MAMCO. Et ils ont dit, mais on aimerait bien avoir les tableaux chez nous. Et donc on a trouvé un lieu, enfin on a retrouvé un lieu, un centre œcuménique au milieu du groupe d'immeubles. Et on a fait cette exposition que j'aime beaucoup. C'est pas le jeu de couleurs de tasseaux sur un fond d'isorel coloré, c'est pas de moi. Et c'est simplement un peu rénové. Là, cet autre choix de matériaux, c'est pas de moi. Et on a simplement rendu propre un espace. Par exemple, cette salle est très petite. C'est comme une chambre et on met 3 grands tableaux. Je m'amusais, je me disais, les collectionneurs qui se plaignent de mes tableaux qui sont pas assez grands, ben là, je peux vous montrer qu'on en met 4. On met 3 tableaux et 2 dessins dans une petite salle. Si vous voulez, on fait la même chose chez vous. Non, ça m'amusait. Il y a la moquette, quoi. C'est comme chez nous. Enfin, j'ai pas de moquette chez moi, mais... Voilà, et alors en tout cas, quand je fais cette expo, je fais un petit texte qui m'intéresse pas mal. Donc ça, l'exposition s'appelait Intérieur aux Avanchets. À chaque fois que je montre mon travail ou autre, je dis toujours, on me pose toujours la question, ah mais vous n'allez pas dans les intérieurs. Alors il y a là derrière une suspicion que je ne vais pas assez loin dans le travail, que je ne suis pas, que je me contente d'être à l'extérieur, etc. Pour moi, ça a beaucoup de sens, cette histoire-là. Et j'allais toujours, il y a des tableaux assez impressionnants que je peux faire que si je connais les gens, quoi. Il y a plein de choses comme ça. Et là, comme les habitants... Alors, je disais toujours que je ne vais pas à l'intérieur, simplement parce que je ne vais pas, avec ma casquette d'artiste, sonner chez les gens. Pour moi, sonner au 5e étage, sans ascenseur ou avec ascenseur, mais chez un tel, ça serait un peu... Donc, je ne vais que là où on m'invite, quoi. Je ne vais pas... Bon. Et alors, comme j'ai dit aux habitants des Avanchets, ou quand j'ai fait cette expo, j'aurais dit, bah, vous m'invitez à faire une expo, alors je vais à l'intérieur, et je vais aller faire des intérieurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé, on pourrait dire, j'avais commencé un peu avant, mais c'est comme ça que j'ai été à l'intérieur de chez des gens, dans cette expo, on les montrait, et j'ai fait un petit texte. Et alors, tu me posais la question sur le sujet. Voilà, mon sujet, je crois qu'il a un petit peu... Je commence à réfléchir au fait qu'il n'est pas simplement les immeubles. Et je vous le donne en mille, comme ça. Je travaille en ce moment sur un architecte que j'aime beaucoup. Et en fait, je travaille que sur des architectes que j'aime beaucoup. Et il écrit ça, quelque part. Et quand j'écrivais le texte sur les Avanchets, il écrit cette citation, ce que je vais vous lire là, était toujours sur mon bureau, je dirais. C'est pas long.
c'est dans une petite paragraphe qui s'appelle « Le nain de jardin ». Nous donnons parfois l'impression d'encourager à tout prix la petite propriété de type « attention chat méchant », »,« attention chat méchant » entre guillemets. Il faut être clair, les grandes machines à déraciner qu'ont été les HLM sont si puissantes, imposent si durement un comportement que nous croyons que seul celui du petit bourgeois est assez enraciné pour y apporter résistance, pour y opposer résistance. Les nains de plâtre des jardins contre les préfabriqués géants. Cette phrase, c'est mon sujet. Donc, 6 mois après avoir écrit le texte des Arrangés, par exemple, je vois une expo que j'ai bien aimée, ou que j'aime beaucoup, de Paul Queux à Grenoble, et je tombe sur cet énorme livre que je t'ai montré, qui s'appelle « Oui, petit bourgeois ». Petit, P-E-T-Y, oui, W-E, donc oui, petit bourgeois, une espèce de mélange étrange de différentes langues. Et c'est un Allemand, Paul Queux, Sigmar Paul Queux, le grand rival de Richter, et on préfère en général Paul Queux à Richter. Enfin, je plaisante. Je plaisante. Chacun fait ce qu'il veut. Oui. Mais ce livre, oui, petit bourgeois, après cette citation, et pour moi, en tant que peintre, et avec le travail que je fais, c'est pour ça que je dis, je conclue pas parce que j'en suis en plein dedans, parce que je travaille sur cet architecte Lucien Krull. Voilà, c'est un peu ça mon sujet. Et puis dans Intérieur aux avant-chefs, par exemple, je disais, et je trouve c'est important de dire aux étudiants, je pense depuis longtemps que la peinture ne trouve sa vraie intelligence, sa vraie dimension, qu'en répondant à un motif exogène, sous peine d'étouffer en devenant un objet marchandise. C'est vrai que notre grand enjeu, c'est de ne pas se laisser étouffer par la marchandisation. Déjà que l'architecture est complètement prise dans ce système, notre enjeu, et c'est bien plus difficile, c'est de ne pas être pris par la marchandisation. Quand j'écrivais ce texte, j'étais à Nice, par exemple. J'avais été voir l'exposition de Noël Dolin. Il y avait 3 expositions sur Matisse. Je me disais, c'est déprimant. Le pauvre Noël Dolin, il fait son expo à la Villarceau. Il est un peu protégé sur la colline. Mais tout l'enjeu de l'expo de Noël Dolin, je me disais, c'était ça. Comment résister à cette marchandisation petite bourgeoise de la ville de Nice avec la grande figure matissienne, quoi. De Matisse, pardon. Et on ne voyait pas un seul truc intéressant de Matisse. Est-ce que je peux te couper ? Tu veux dire quelque chose ? Oui, je voudrais bien te couper. Non, merci. Tu as fait tout le tour, non, tu n'es pas allé jusqu'au bout, mais c'est bon, on a vu quand même le... Voilà, mais c'est simplement pour vous contextualiser. Ce que j'ai voulu faire ici, c'est une expo récente, et j'ai dit à Yannick, on pourrait faire la même chose avec les dessins. Voilà, ça, c'est la dernière exposition dans ta galerie à Paris. Et dans des petits espaces, je montre les grands et les petits dessins sur la rue des Pyrénées, et on a essayé de faire un peu... Voilà. Je m'arrête là. OK, merci. Des petites questions Oui. On m'entend là, oui. Tu disais que tu ne travaillais pas d'après photo Si, je travaille d'après photo. Ah, d'accord. Si. Alors oui, j'ai fait Les immeubles, ça a été retrouver la possibilité ou la nécessité de travailler d'après photo. Et tu as raison de poser cette question parce que je suis arrivé sur le sujet des immeubles, enfin sur les immeubles en 93. Grâce à l'acceptation par, de... Par la déception de cette expo de la Villa Arson où il y a des immeubles, je me disais, c'est tellement con, c'est fondamental, heureusement que tu le dis, je trouve que c'est tellement con de se dire que dans un tableau, à la fin, c'est ce que je me suis dit à la Villa Arson, à la fin du XXe siècle, un peintre voulant peindre des immeubles modernes se retrouve avec le geste tellement bête de faire une grille, soit expressionniste, soit à la règle, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est quoi ce geste par rapport à la... Même si on fait de la peinture symbolique ou métaphysique, c'est quoi ce geste par rapport à la réalité sociale, politique, historique, utopique de ce que c'est que l'immeuble d'habitation voilà. Et donc, il a fallu reprendre en main la photo, mais avec un enjeu spécifique, etc. Donc c'est toi qui fais les photos? C'est moi qui fais les photos. Tu les projettes ou tu les... Non. Tu les projettes, tu fais comme jamais. Ça à vue? Comment? Tu les fais à vue, les dessins, après des... Oui, c'est pas une projection, parce que j'arrive pas à... Je me suis pas approprié ça, ou parce que je l'ai trop vu faire en Allemagne. C'est pas une projection, mais en tout cas, les photos sont très précisément mes documents de travail qui sont interprétés
et à l'échelle du tableau, etc. Et aussi, alors j'avais une autre question encore plus triviale. Parce mais c'est très bien. J'ai vu ton expo au MAMCO, la deuxième, je pense. Hein, que ça m'a, enfin, j'étais très impressionnée par la quantité. La quantité de, à la fois de tableaux, de mètres carrés, je pourrais dire presque, et puis de détails et de coups de pinceau. Enfin, voilà, et je voulais savoir si tu avais un chiffre. Si tu classes. Ouais, hein. Je suis super mécontent de moi. Parce que, alors je disais, j'aurais pu vous dire plus, mais un de mes préférés, j'ai dit hier, c'est Adjaye. Et bizarrement, parce que c'est ce qui m'intéresserait le plus, Adjaye. Vous voyez ce photographe français du début du XXe siècle, Adjaye, Eugène. Et lui, il a fait 10 000 photos. Je suis super emmerdé parce que par rapport à ça, j'y arriverai jamais. Enfin, la alors, photo, certes, ça va plus vite. Et en plus, c'est super beau et c'est super bien fait. C'est des planches contact, donc il n'y a rien de mieux. Mon magma analogique, c'est que de la cuisine malpropre et salissante par rapport à ce fantastique Adjaye. Donc Adjaye, le douanier Rousseau, oui, c'est ce qu'il y a de mieux et on n'est que... Voilà. Mais en fait, on dit qu'un peintre est un vrai peintre quand on a fait 2000 tableaux. Bah, je n'arriverai pas. Qui dit ça ? Qui dit ça ? Je sais pas, j'ai entendu ça. Moi, c'est j'en vrai suis à 900, ça fait rien, je serai jamais un vrai peintre. Et toi, Nina, t'as un chiffre là aujourd'hui ? 900 et quelques. 900 et quelques. Toi, moi, je serai jamais un vrai peintre. Et toi, enfin, mais t'as un chiffre ou pas ? Tu vas pas. Oui, 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 oui. Je dois en être genre à 300 tableaux. 350, je dirais, oui. J'en sais rien, 300. Non, non, un peu moins de 300 même. 300 tableaux d'immeubles. Chaque tableau d'immeuble est très comment dire, le titre, c'est toujours le nom de l'immeuble, le nom de l'architecte, la date de construction et l'adresse. Hein. C'est très... J'ai une liste de tableaux, comme toi. D'accord. J'ai une liste très bien archivée, enfin très bien. Ah, ouais. J'ai une liste, chaque fois que je finis un tableau ou qu'il est en cours, je suis tellement content de remplir ma liste que même s'il n'est pas fini, je commence à le mettre. Mais j'ai une liste de tableaux avec les pays, etc. Mais j'en suis pour les tableaux qu'à 300 et pour les dessins aussi à 300. Ça va un peu plus vite pour les dessins parce que... Et tu mets combien de temps pour faire un 2m40 comme ça à peu près ? Moi, je vais à la fois plus vite et plus lentement. C'est-à-dire que maintenant que j'ai un atelier qui me permet d'en faire plusieurs à la fois, je commence des ensembles. Et puis ça va à la fois très vite au début. J'aime beaucoup commencer un tableau. J'adore ça. J'adore toutes les phases. Mais commencer le tableau, c'est très motivant. Et puis, en fait, je suis très lent, c'est-à-dire que ça m'arrive de travailler un an, enfin, qu'un tableau est sur le mur pendant un an sans que je dise qu'il est fini. Et puis, j'aime beaucoup, j'ai changé techniquement, j'aime beaucoup cette idée que pendant, enfin, en tout cas, au début, je pensais qu'il fallait avoir un process pictural régulier et constant et tendu, et que le tableau était fini, par exemple, en 15 jours. Alors que maintenant, j'ai cassé complètement ça. Je suis contre l'homogénéisation de la surface picturale. Je suis contre l'unité de la surface picturale trouvée par un effet all-over. Et donc, le fait de revenir sans cesse sur le tableau, c'est un truc qui casse ça. Et donc, un arbre est un arbre, une maison est une maison, un sol est un sol. Et voilà, j'en sais rien. Mais tu fais pas comme Jean-Luc Blanc qui revient sur les tableaux chez les collectionneurs éventuellement. Ça m'est même arrivé. Ça t'arrive aussi. Hein. Non, mais de revenir étrangement, même très récemment, c'était assez drôle. Enfin, en tout cas, un tableau a été publié, envoyé par la galerie, mais ils s'étaient trompés. Ils font pas très attention, ils regardent pas beaucoup, ils sont aveugles. Mais alors, j'aurais pas dû le dire parce que. Mais enfin, on regarde pas beaucoup et donc ils ont envoyé un tableau qui avait été reproduit en hectare, mais je l'ai repris. Ah oui, il avait un peu changé depuis. Ouais, il avait pas mal changé. Bon, personne ne voit ça. C'est pas grave. J'aurais une autre question, Yves. Alors là, tu nous as montré enfin, tout ce que tu nous as pu nous faire voir des points de vue extérieurs par rapport à l'architecture. Il y a aussi des points de vue intérieurs. Après, je connais aussi ton travail où l'immeuble, où l'architecture disparaît dans le paysage. C'est-à-dire qu'il y a, ouais, il y a un rapport à la peinture. Enfin, dans la gestuelle, dans la manière où... En fait, voilà, je pense qu'il y a eu un petit combat, là, je pense. Non, mais il voilà. y a un combat, il y a de toute façon un combat, mais c'est ce que tu as dit, un combat ? Oui, oui, oui. Pas combat. Non, non. Je ne serais pas perdu. C'est-à-dire que je me suis sans arrêt rapproché de l'immeuble,
jusqu'à rentrer à l'intérieur, évidemment, mais ça, c'était pas compliqué, et reculer. C'est-à-dire que j'ai en effet retrouvé la possibilité de faire des paysages, ce qui déconstruisait, si vous voulez, j'ai un programme de travail, et je m'étais donné un programme de travail, mais en fait, un peu comme disait Nina, je l'ai sans arrêt contredit. Enfin, ça se voit pas, on le sait pas, je pourrais ne pas le dire, mais je crois que je le contredis sans arrêt. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai fait des tableaux de paysages avec un immeuble d'habitation au milieu. Enfin, il y a un peu de distance, il y a des trucs comme ça. Il est plus petit, ouais. Oui. Mais il y a aussi une chose qui me semble un peu... Enfin, frappant. Il n'est pas plus petit, il est dans le paysage. Oui, oui. Non, mais je veux dire, par rapport à la... les points de vue, l'architecture prend vraiment le cadre du tableau. Dans ces paysages, l'architecture ne prend... Le tableau de la rue Erard, là, ce tableau-là, il est dans un paysage urbain très adjétien, très adjet, oui. Et il y a de l'architecture haussmannienne que j'aurais jamais cru peindre un jour, et qui ne m'intéresse pas d'ailleurs, et il y a cet immeuble qui est le sujet du tableau. Oui. Moi je voulais juste aussi souligner peut-être une logique d'évolution un peu du déroulé de ce que tu nous as présenté. Quand tu dis, bon, au départ, je suis mon propre commanditaire d'une commande publique fictive, on a aussi le sentiment qu'à un moment donné, une forme de réalité a rattrapé ce programme. Je veux dire par là que les expositions, la confrontation à des espaces de présentation des tableaux les ont fait un petit peu évoluer. Mais je pense aussi à ton rapport à l'architecture, au fond. C'est-à-dire, oui, bien sûr. Tu vas explorer l'architecture moderniste des années 60-70, intéressante ou pas, mais transformée par les gens qui y vivent. Et puis, peu à peu, tu prends conscience aussi tu découvres une architecture qui t'intéresse peut-être davantage que... Enfin, ta connaissance de l'architecture grandit. Et du coup, c'est... par la peinture, tu vas donner de l'importance à un architecte comme ouais. Jean Reynaudy, mmh. Qu'on va présenter dans des expositions d'architecture, mmh. hein, où on présente des maquettes, des photos, des plans, que sais-je. Et toi, tu y amènes peut-être, avec des dessins ou des tableaux, une autre dimension. Et j'aimerais peut-être, bien qu'on je ne sais pas quelle dimension, mais on ne sait pas quel est le statut des qu'est-ce que c'est ces images. Ça me plaît. Je pense que le tableau, le tableau, c'est un espace fictif. Comment dire ? On a eu de cesse au XXe siècle de vouloir casser le tableau. Or, sa grande qualité, c'est d'être un espace fictif, je dirais, à... Quand je dis casser le tableau, c'est-à-dire le système de l'installation, le papier peint, c'était un moyen d'étendre le tableau à l'extérieur de son cadre. Et je pense que le tableau, c'est un objet qui est en rupture avec l'espace quotidien dans lequel on respire. Et on respirerait dans une autre atmosphère dans le tableau. Hein. On aurait un autre oxygène dans l'espace fictif du tableau. Et cette chose-là est une chose d'une force incroyable. Évidemment, ça a été relativisé par l'énorme machinerie cinématographique, qui est fantastique, qu'on aime tous. Enfin, moi, j'ai pas de problème avec le cinéma. Mais on a oublié, enfin, on sait plus comment s'approprier le tableau dans cette histoire d'un objet puissant, avec toutes ses capacités de produire un espace fictif, ouais. Oui, parce que ça bouge pas et puis ça parle pas. Oui. Ah ben quand même. Mais le spectateur parle et bouge. Alors pour moi, ça c'est une question qu'on me pose toujours. Pourquoi il n'y a pas de personnages dans les tableaux ? J'ai toujours, depuis très très longtemps, enfin, j'ai toujours répondu peut-être un petit peu. Enfin, j'ai toujours pensé et je le pense toujours que c'est le spectateur qui est le personnage du tableau. C'est c'est le personnage qui donne l'échelle, c'est le spectateur qui donne l'échelle au tableau, et le tableau tire son échelle du corps. Et en l'occurrence, j'ai un corps à peu près analogue en tant qu'échelle au vôtre, etc. Nous avons tous un corps à peu près... Il y a des grandes disparités et des différences sexuelles et autres, mais on a un corps et des mains et des bras, etc. En même temps, donc je crois qu'il faut que pour des raisons techniques qu'on aille dans le salon là, c'est ça Alain ? Oui. Alors on va se déplacer puis on va continuer la conversation là. Alors, donc les conversations finalement elles ont déjà un petit peu démarré spontanément, ce qui est plutôt intéressant. Et les présentations aussi ont un petit peu débordé.
Moi, je voudrais revenir quand même, parce que certains parmi vous ont parlé de ça et d'autres pas, sur le fait que dans un parcours de peintre, on peut finalement décider de devenir peintre, mais on n'est pas forcément obligé de l'apprendre, la peinture. Enfin, comment ça s'enseigne, comment ça s'apprend, la peinture ? Yves, tu as dit tout à l'heure, par exemple, que toi, tu n'as pas voulu aller aux Beaux-Arts. Tu peux en reparler un petit peu ? Tout à l'heure, ça ? Oui. Ouais. Oui, ça marche. Ouais. En fait, j'étais... Mais est-ce que c'est utile d'en parler ? Mais... je savais pas ce que je voulais faire. Enfin, non. Je savais que je voulais être peintre, voilà. Ça voulait rien dire. Je savais pas ce que ça représentait, ni quoi que ce soit. Donc, j'étais un peu conscient, en effet, que c'était pas les beaux-arts. J'hésitais sans doute aussi entre l'architecture et les beaux-arts. Et puis, c'était un espèce... J'ai passé une espèce de contrat avec mes parents et j'ai fait ni les beaux-arts ni l'architecture. Ils m'ont dit, fais 3 ans d'études sérieuses. Après, tu feras ce que tu voudras. Et donc j'ai eu une licence de droit, et puis après, l'été, j'ai dû avoir une licence de droit en juin 81, et l'été suivant, je louais un atelier 400 francs par mois, 600 oui. francs par mois, ce qui correspond à 100 euros, ce qui est génial, quand on imagine les économies. Mais alors du coup, si toi tu as fait ce cursus comme ça, un petit peu, bon, chacun a son itinéraire, il n'y a pas d'itinéraire automatique, on voit bien que, bon, voilà, aussi bien dans le l'apprentissage et dans la pratique artistique, on voit bien que c'est pas mais direct, c'est assez sinueux. Mais parce qu'il faut relativiser avec l'histoire. Par exemple, en 81-82, je pense qu'on l'a tous, oui. Je pense que Nina, il y avait Jack Lang, il y avait une énergie dans les... Par exemple, en région, on pouvait ne pas être à Paris. En région, il y c'était avait... C'était le début des fracs. Il y avait les fracs, il y avait... Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai eu une bourse pour aller en Allemagne. C'est que... c'était évident qu'il fallait partir de Lyon, j'habitais à Lyon, bon, etc. Et, voilà, mais s'il n'y avait pas eu ça à ce moment-là, je pense que, je ne sais pas, j'en sais rien, mais... Enfin bon, je n'ai pas fait les beaux-arts, mais j'étais en lien... Et toi, tu as fait les arts déco ? Non, je me suis... J'étais inscrite aux arts déco, mais moi, ce que je veux dire, c'est que les écoles étaient... Enfin, de ce que j'ai vu des écoles au début des années 80, c'était pas bien, quoi. C'était, moi ça m'ennuyait, donc c'était hors de question de rester dans cet endroit. Mais pour revenir à ta question, oui, mais j'enseigne, alors bon, enfin, ça c'est une autre question, est-ce qu'on peut enseigner la peinture ? Je ne sais pas, je pense qu'il faut aussi être patient, il faut du temps. Toi tu as parlé du temps pour trouver ton sujet, toi tu as trouvé, tu vois, les choses se mettent beaucoup de temps à s'installer, et c'est vrai que quand on a 20 ans, on veut tout de suite faire un chef-d'œuvre, un ou un autre après, ou faire des expos, on est très comme ça. Mais pour répondre à ta question, ce qui fait la peinture, c'est de la faire, c'est tout. Hein. Et après, non, mais je me rappelle très bien avoir été voir la galerie Lara Vinci, je devais avoir 22 ans, je sais pas, j'avais fait 10 tableaux, je vais les voir, je me dis, oh, ils vont me prendre, ils vont me faire une exposition de mes 10 chefs-d'œuvre, là, il n'y a pas. Et la fille m'a dit, ah ben revenez me voir dans 10 ans. Et je me souviens, mais pour moi c'était, mais dans 10 ans, c'était énorme, c'était. Et je me souviens être passée dans la galerie, devant la galerie 15 ans après. Et non seulement je n'ai pas été la voir, mais j'avais pas envie d'exposer là, quoi. Donc bon, il y a une sorte de temporalité, d'impatience de la jeunesse qui fait qu'on veut tout de suite faire des choses. Mais la peinture, hélas, tant mieux, c'est un médium qui est très lent. Et moi, vraiment, sincèrement, les 10 premières années, j'ai vraiment fait que des merdes. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, je continue. Mais non, le truc, c'est, j'aime beaucoup ce que dit Nina, il suffit de le faire. Et ça, c'est un truc qui est génial. C'est que ce faire, qui est accepté, en fait, on regarde ce qu'on fait. Enfin, c'est vachement important pour tout le monde, pour les étudiants en architecture. J'enseigne maintenant dans une école d'architecture. C'est très important de trouver le moyen... que ce soit un geste ou un acte, que de circuler pour regarder ce qu'on fait ou de lire ce qu'on écrit. C'est pas facile, hein, et donc c'est, on accepte ce qu'on fait. Et moi, enfin, je dirais un tout petit peu de maturité fait que j'accepte beaucoup plus facilement toutes ces choses déposées très très prosaïquement, enfin très simplement, quoi.
j'accepte beaucoup plus facilement toutes ces choses faites. Excusez-moi. Oui. En fait, je fais un peu de peinture. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, que la peinture se fait un peu plus... peut-être que je me trompe, mais un peu plus par l'émotion. C'est-à-dire que je pense que c'est pas seulement l'intellect qui agit. Il y a toute une dimension, comment j'ai envie de dire, à la fois sentimentale, mélancolique, et aussi un peu d'intellect réfléchi, ou qui agit en fait dans la pratique même de la peinture. Et moi, en regardant votre tableau, je me suis dit que ouais, ça fonctionne. Merci. Merci beaucoup. Le mot sentiment, on est dans une table ronde, on essaye de parler, on est dans une école. Bon, l'école, c'est déjà compliqué, mais vous imaginez parler des sentiments. Ouh là là, qu'est-ce que c'est compliqué. C'est pas facile. Qu'est-ce que c'est qu'un sentiment? Ouais, on va se servir de notre intellect pour parler des sentiments. Enfin, c'est compliqué. Donc, oui, on est habitué de pas trop aborder le plan des sentiments, de la sentimentalité. Bah, bon, par exemple, mais c'était très intéressant, avec des grandes différences. Je trouve ça intriguant pour vous. Si vous, enfin, je l'ai pas dit, mais mon premier tableau d'immeuble, c'est l'immeuble quand j'habitais, quand j'étais enfant. On est tous liés à cette rapport entre la vie et la peinture. Chacun écrit sa propre histoire. Voilà, on écrit. Ça, c'est super intéressant. Mais je pense que ça se voit. Ce qui se voit, il n'y a pas besoin... Mais ce qui est très curieux quand même, c'est de voir finalement les manières dont les choses évoluent et dont les choses bougent. C'est-à-dire, je pense que l'exposition qu'on a faite ensemble hier soir, au fond, on voit qu'il y a des moments... On a presque l'impression que les œuvres... commencent à parler les unes avec les autres. Hein. Je veux dire, soit parce qu'il y a des usages, il y a des manières de faire, il y a des outils nouveaux, et tout d'un coup, ça parle de technique, ça parle de sujet, et puis ça se croise, et ça marche, ou ça marche pas, ou ça se fait face. Il y a, me semble-t-il, des rencontres. Par exemple, il y a un terrain quand même qui vous concerne tous les trois, c'est la relation à l'architecture, soit comme sujet, quand on peint un immeuble, soit quand on présente des tableaux dans un espace, et donc on fait des peintures murales, ou bien quand on choisit de mettre des tableaux sur des papiers peints. Hein, je me suis posé la question des choses que vous avez faites tous les trois en commun. Ben, y a ça, par exemple. Tous les trois, à un moment donné, vous avez utilisé cette astuce, cette technique, ce truc, de faire un papier peint pour montrer dessus un tableau. Et ça, c'est quelque chose d'assez troublant, parce que moi, j'ai un peu cherché... d'où ça vient, hein. Moi, je suis historien de l'art, je cherche toujours à trouver des explications à tout. Enfin, c'est une sorte de déformation un peu professionnelle, quoi. Et en fait, un des premiers qui a fait ça, c'est Warhol. Et Warhol a fait ça en 63, 4, quelque chose comme ça, à New York. Et quand il fait ça, il annonce quelque chose de nouveau. Enfin, il le dit. Il dit, à partir de ce moment-là, je ne ferai plus de peinture, je ferai que du cinéma. Bon, après, c'est pas ce qui s'est passé dans la réalité. Il a continué à faire des tableaux. Évidemment, ça marchait bien. Il y avait la queue pour se faire portraiturer par lui, enfin, etc. Et puis, on peut se contredire, on peut changer d'avis. On l'a bien noté, je pense, dans vos itinéraires de tous les trois ce matin, que c'est pas une chose écrite que le trajet artistique. Enfin, ça peut bouger, ça rencontre des situations nouvelles, etc. Mais c'est très troublant de se rendre compte que tous les trois, vous avez eu, à un moment donné ou à un autre, recours à cette astuce, à ce truc. Tu pourrais en reparler un peu, Franck, du papier peint, oui. Le papier peint, enfin, c'est déjà... ce ne sont pas des stratégies, mais c'est déjà éviter toujours la froideur de l'espace blanc, de White Cube. Quoi. Enfin, c'est déjà espérer des ambiances, des ambiances très différentes. Et du coup... pouvoir peut-être percevoir des tableaux différemment, tout simplement, quoi, proposer à un public. Et c'est aussi des histoires de couches. Enfin, la pièce qui est là au frac, enfin, c'est vrai que je superpose comme ça des couches de sens. Je dissocie, il n'y a plus effectivement une matière homogène.
Et je pense que le papier peint, ça vient aussi, c'est aussi une couche, quoi, finalement, comme si le tableau, enfin, il y avait derrière le tableau encore une couche de sens, que le mur lui-même est déjà fait sens, quoi, enfin, selon qu'il est, la manière dont il est traité, quoi, et appréhendé. Mais après, dans l'utilisation du papier peint, soit c'est quelque chose qui va être une image répétitive comme ça, et qui va être liée, bah, là pour le coup, toi, au travail que tu as fait dans l'installation de meubles là, autour de la table, etc., qui se répète, et qui va servir à montrer un autre type d'image dessus. Hein, une image différente, enfin d'une nature différente. Enfin, alors que finalement, bah chez toi, Yves, quand tu utilises le papier peint, pas forcément la première fois, enfin, on a compris que la première fois, c'était pour montrer encore davantage le mur rapporté, mais quand après ça arrive au MAMCO, bah, c'est quelque chose qui va donner aussi une sorte d'unité à toutes les images qui sont, elles, au contraire, un peu différentes, quoi. Tout d'un coup, ça donne une homogénéité. Alors que toi, Nina, quand tu viens à Limoges, il y a 6 ou 7 ans, faire l'exposition La haine de la peinture, tu pars d'un détail, d'une image du chemisier favori de Simone de Beauvoir pour développer un papier peint sur lequel tu vas montrer aussi des tableaux assez divers. Enfin, dans leur... Je crois qu'il y avait des tableaux au même coup, j'avais mis tableau dessus, mais pas au frac, non. Non, mais en fait, voilà, c'est juste en fait le problème, c'est que on peut peut-être juste aller vraiment au fond du problème, qui est est-ce que finalement en peinture, on n'a pas besoin de petites ficelles scénographiques, de petites astuces pour faire passer la pilule. Je me souviens encore du temps des Ripoulins, un des Ripoulins trois carrés qui est très abstrait, un type un peu genre avec des lunettes, un peu savant fou, quoi. Il m'avait dit, il faut que la peinture se suffise à elle-même. Et moi, je comprenais pas cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire, la peinture doit se suffire à elle-même, voilà. Bon, les papiers peints, les je sais pas quoi, les lumières, les trucs fluo que je fais derrière, bon, ça fait plaisir aux spectateurs, aux commissaires. On pense pas à la peinture en elle-même, et on a un peu honte, je pense, les peintres français, là, finalement, à être voilà, simple avec le médium. Ou peut-être même pas qu'on a honte, ou on a même des automatismes pour se justifier, voilà. Tellement on a été contraint, quoi. Enfin, moi, c'est un peu ce que je ressens. Mais en même temps, pourquoi pas, hein. J'aimerais bien entendre, je sais pas, Simon, Laurent, Amélie, Alain aussi, même. Alain, t'as utilisé ça aussi, toi, des astuces comme ça, enfin... C'est-à-dire le dessin mural qui est présenté au FRAC, sur lequel on avait mis d'abord des dessins et sur lequel, cette fois-ci, on a mis des tableaux. C'est un stratagème que tu as déjà utilisé. Ce n'est pas un stratagème, parce que le dessin... Le dessin, il était fait pour l'architecture et pas être un support. Là, c'est, enfin, oui. En fait, l'utilisation là, du dessin, il a été une hypothèse, en tout cas, d'essayer quelque chose. Oui, mais je pense par exemple à la manière dont tu avais présenté ton tableau au Salon de Montrouge, par exemple. Ouais, ouais. Alors, du coup, moi, j'ai pas c'est pas une stratégie ou de. C'était plutôt Moi, j'ai fait des papiers. C'est pas du papier peint, donc c'est une peinture qui est sur le mur. Donc, c'était peint sur le mur, mais peut-être façon avec la même technique ou la même méthode qu'on fait un papier peint dans la répétition d'un motif. Donc du coup, c'était effectivement prendre une proportion, donner en fait un petit peu relier la peinture comme elle pouvait être l'après-Renaissance, c'est-à-dire la mettre comme une quelque chose qui est architectural, qui fait partie de l'architecture. Donc c'est un espace qui fait partie du bâtiment. Donc du coup, l'utilisation de la peinture, peinture murale, peinture sur le mur, pour accrocher des tableaux ou... des objets qui vont sortir de l'espace du tableau, était pour faire corps en fait avec cet espace-là et dont tu parles en fait du corps nécessaire à l'objet. C'était aussi pour véhiculer en fait ces deux espaces-là, l'espace fictif et l'espace réel. Donc du coup ramener l'espace domestique et puis en même temps historique, etc. Du coup c'était d'aller l'idée c'est d'aller de plus en plus vite dans un espace comme ça avec toutes ces contraintes à la fois qui sont murales, voilà, et d'essayer, dans ce rapport aussi numérique, image, parce que en fait, le lien aussi même avec Laurent,
enfin beaucoup d'artistes. Marion, je ne sais pas, on va peut-être nous dire, c'est l'utilisation d'images comme étant un support. Un support ou un prétexte, ou en tout cas pour peindre. Alors je sais pas, parce que finalement tout le monde a une manière d'utiliser l'image différemment. Voilà. En tout cas, le mot prétexte, c'est un mot qu'emploie très souvent Yannick. Moi par exemple, depuis très longtemps, enfin j'ai été 10 ans quand même, j'ai pas beaucoup de rapport avec les écoles d'art, mais enfin j'ai été 10 ans enseignant dans une école d'art, et ce mot prétexte que j'ai souvent entendu dans ces contextes, je n'emploie jamais le mot prétexte. Il n'y a pas besoin d'un prétexte pour peindre. Je suis très ennuyé du mot prétexte qui laisse entendre que ça revient. On prend un objet ce n'est qu'un prétexte. Ça veut dire que on peindrait avec la même attitude des cheveux, des tables, des chaises. Moi, je pense qu'il y a des différences. Nos sentiments, notre perception, notre intelligence, qu'on soit différemment, l'endroit où on s'assoit, le lit, etc., et qu'il faut répondre en peinture ou en action, parce que la peinture, c'est qu'une forme d'action, à ces différents objets ou à ces différentes personnes, etc. Et donc, c'est pour ça que je prends la parole, là, bêtement, mais... le mot prétexte, ça me fait un peu... Oui, ben, prétexte, après on peut dire contexte, et puis on finit par texte, finalement. Voilà, donc évidemment, la peinture présentée, mise en scène... Depuis longtemps, la peinture n'a plus besoin d'un texte, plus besoin d'un prétexte pour exister. Arrêtons, c'est académique cette histoire, arrêtons... Et au XIXe siècle, cette narrativité sous-jacente à la peinture, les casques et les je ne sais quoi, c'était... il y a Manet, il y a les uns et les autres qui ont dit on met ça... laissons tomber. On a plein de révolutions, on se révolte l'un contre l'autre. Plus besoin d'un texte. Donc l'immeuble, c'est pas un texte, par exemple. Oui, oui. Il y a un texte sous-jacent, il y a une histoire d'architecture, ou l'immeuble, ou plein de choses, des films qui sont en relation avec des tableaux, ne sont pas forcément un texte. Le tableau existe pour lui-même. Enfin, on n'a pas besoin de ce que tu disais à l'instant. Ça, j'y crois. Même si je ne crois pas, par exemple, non plus à une espèce d'ontologie du tableau. La peinture pure, c'est un truc qui me fait aussi le même genre d'effet que le prétexte. J'aime pas l'architecte qui construit pour l'architecture, pour le grand art, et la peinture pour la peinture, c'est un truc qui me donne un peu des boutons. Mais c'est perso. Hein. Il n'y a pas de médicament. Moi, j'aimerais bien vous entendre aussi un peu sur ce lien à l'architecture qui peut un peu vous réunir aussi tous les trois, mais au fond, sur cette question peut-être de l'architecture à la fois virtuelle et moderne et liant un petit peu les différentes époques. Enfin, la possibilité par la peinture, du coup, de balayer un champ temporel assez, assez large, jusqu'à la fiction, jusqu'à la modélisation. Il ne s'agit pas forcément de parler de cuisine comme ça, mais en même temps, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. C'est-à-dire, par exemple, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, et surpris vraiment profondément, l'intérêt de Franck pour des signes, des éléments d'image, des éléments iconiques qui vont être répétés jusqu'à ces tableaux des jungles qu'on a vus tout à l'heure, et que Ernest a beaucoup a contribué aussi à remettre un petit peu à sa manière en avant, et l'intérêt de Yves pour ces jambes du douanier aussi réactualisées, si l'on veut, par Ernest. Ça marche ? Oui. Ouais, enfin, pour revenir à la question architecture, moi, en fait, la série que vous avez pu voir, là, qui était quand j'ai modélisé la galerie Cortex, en fait, effectivement, c'est une manière de retrouver une certaine histoire du tableau, c'est-à-dire que
la structure, l'architecture même du tableau, réenvisager, pouvoir oui, se réconcilier presque avec des compositions, enfin, espérer ça, quoi. Mais il n'empêche que ces images-là, enfin, c'est de la pure image, quoi. Enfin, c'est de l'image 3D, simplement en retournant le tableau, il se fait passer pour autre chose et voilà, on peut effectivement nous rappeler, nous remémoriser des suites dans une suite abstraite, constructiviste et tout ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est de la pure image, quoi. Enfin, c'est de la 3D. Et après, l'architecture réelle, on s'y confronte, mais voilà, le projet, enfin, peindre des images, c'est, enfin, ouais, on reste quand même dans quelque chose d'hyper, d'hyper abstrait, quoi, enfin, l'ordre de l'image. Quoi. Et toi, Yves, tu penses quoi de enfin, cet intérêt pour les jungles du Douanier Rousseau, là, tu pourrais nous en dire un petit peu plus? En fait, je vais embêter Yannick. J'aime pas, enfin, si, j'aime beaucoup tout ce qu'a fait le Douanier Rousseau, mais c'est pas les jungles qui m'intéressent le plus. C'est les tableaux urbains, mais vous pouviez l'imaginer. Enfin, voilà, le Douanier Rousseau, il a peint les rues, les arbres, les fleuves. Et Utrillo, je connais pas très bien. Mais parce que ça, c'est, je vais y travailler, je vais y regarder. Je connais pas très bien, mais non, je pourrais m'intéresser au trio parce que au trio a demandé des s'est servi de photo d'adjet. Et ça serait une bonne raison pour s'intéresser. Ah, c'est orangerie, il y en a d'autres. D'accord. Ouais. Oui, alors il y a une autre chose aussi que sur laquelle j'aimerais bien vous entendre, c'est la volonté d'un peu de déhiérarchiser les choses, c'est-à-dire le tableau qui est plus vraiment le sommet d'un le résultat d'un processus. Mais qui peut être... Vive au trio, tu veux dire. Vive au trio. Non, je change. C'est le meilleur. Oui. Oublions Duchamp. C'est ce que c'est tu veux dire, de hiérarchiser. Non. C'est pas exactement ça. Ce dont je veux parler, c'est la manière dont, finalement, le tableau n'est plus pour chacun d'entre vous véritablement comme un processus ou un but ultime à atteindre. Mais bien sûr que si. Bon. Mais en même temps, de temps en temps, on a un peu l'impression que ce n'est pas forcément ça. C'est-à-dire, je pense par exemple à la manière dont toi, Yves, dont toi, Nina, vous passez d'un petit format à un grand. Le petit peut être fait avant le grand, mais quelquefois c'est dans l'autre sens. Dans l'exposition au FRAC, il y a ce tableau du square Karcher, Yves. Et si on regarde les dates, il est fait 3 ou 4 mois avant le dessin qui est dans le cabinet, qui est beaucoup plus grand. Oui, mais de toute façon, dans ma tête, depuis le début, il n'y a pas d'hiérarchie. Je ne hiérarchise pas. D'ailleurs, je hiérarchise. Hein, je préfère quand même Duchamp au trio. Je ne voulais pas provoquer quoi que ce soit. Je ne veux pas vous rassurer. D'ailleurs, je connais mal au trio. Et j'aime beaucoup Douanier Rousseau. Mais c'est pas de la dire comment. Et je crois qu'en fait, tiens, c'est un truc intéressant. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que les peintres, les jeunes, là, parlent mieux. Il faudrait qu'il y ait un micro qui arrive là-bas. Ah oui. Ah d'accord. Bah, prenez la parole. Ah, oui, Laurent. Vas-y. Non, mais ça marche. C'est un peu passé. C'était par rapport à ce que vous disiez précédemment. Mais c'était sur cette question du rapport entre le tableau, le fait d'assumer, le tableau, la peinture elle-même et tout ça. Et non, je pensais au fait qu'il y a aussi tellement d'espaces qui se sont d'espaces fictionnels ou réels. Disons que l'opposition entre un espace fictionnel et réel, c'est avec toutes les technologies, voilà, enfin tous les mises en système de techniques, c'est tellement effeuillé. Enfin, il y a que d'une certaine façon, j'ai beaucoup plus l'impression que ce qui va fonder un geste de peinture, pour moi, c'est vraiment l'idée de faire acte en faisant un tableau, je dirais presque d'une coupure dans un processus qui mêle de la fiction et de la réalité. Je ne sais pas comment dire, parce qu'on vit quand même aussi dans une... Et ça, depuis l'art conceptuel, dans un monde où presque l'information est devenue une seconde nature, en fait. C'est-à-dire que c'est quand même très envahissant. Et je pensais à la façon dont le tableau est en fait vraiment une espèce de suspension, et donc en ce sens-là, il devient un truc très réel au sein de ce... voilà, je ne sais pas si c'est très clair, vous voyez ce que je veux dire. Tu veux dire que par sa stabilité, il arrêterait en quelque sorte, à un moment donné, le flux de cette information permanente, quoi, c'est ça ? Ouais, c'est-à-dire quelque chose comme une présence, c'est comme une chose qui...
Et en fait, et je voulais dire un deuxième truc, ça va être encore moins clair, mais c'est sur le rapport à la photographie ou au fait qu'il y ait des documents préalables au travail. Moi, je sais que dans mon cas, c'est une façon aussi d'affirmer, parce que j'ai beaucoup travaillé à partir de photos, à partir d'espaces réels, de lieux de travail, mais aussi à partir de traces, de dessins, de choses récupérées. Et je sais que ça a toujours été une façon aussi de dire un peu quelque chose qui a à voir avec ce que je disais précédemment, c'est qu'il y a une réalité avant la peinture, en fait. C'est-à-dire que la peinture n'est pas un acte, je sais pas, de création pure, mais qu'il est, il récupère une... Enfin, il s'insère justement dans ce processus en transformation. Je ne sais pas si c'est très très clair, et comme c'est un peu décalé par rapport à ce que vous disiez, si, je m'excuse. Et je voudrais, pour donner la parole à Marion, je voudrais revenir à une conversation qu'on avait tous les deux, Marion, hier soir. Tu me disais, à un moment, tu m'as provoqué, non, je plaisante, tu m'as dit à quoi ça sert tout ça, pourquoi tu fais tout ça. Hein, tu m'as dit ça comme ça. Ouais. Et m'est revenu pendant là, je ne sais plus qui m'a, et je voulais t'adresser la parole là-dessus. Mais justement, dans cette rupture du continuum, dans cette rupture que propose le tableau comme type de représentation ou comme type fictionnel à ce qu'on connaît. La première exposition, ça a été une grande expérience pour moi. La première exposition que j'ai faite à Saint-Priest, donc cette photo où il y avait le papier peint, là, on a vu un. Il y avait des jeunes, donc c'est une banlieue à l'est de Lyon. Pas une banlieue très difficile, mais enfin, bon. Et il y avait ces jeunes à casquette, là, et tout ça, qui venaient au vernissage. C'était un... Bon. Et ils étaient comme deux ronds-flancs. Ah, enfin, on parle de nos endroits où on vit et avec un autre ton, avec une autre façon de parler que les médias, que ce qu'on a dans la presse, que ce qu'on nous renvoie comme image, cette expression... On nous renvoie, les médias, en fait, ça ne fait pas une image toute faite, ça renvoie une image. Et en fait, ils ont fait l'expérience, vraiment, parce qu'après, il y a eu l'expo à durer, et il y avait eu des rencontres, des trucs comme ça, vous savez comment ça se passe, on n'arrête pas ces choses-là. Et j'ai fait sans arrêt l'expérience de gens qui venaient me voir en me disant « Ah, c'est vraiment incroyable, vous donnez une image de... » Alors que je ne donnais pas d'image de Saint-Priest, hein, c'était des images de Moscou, de je ne sais pas quoi, mais... Ah, enfin, on parle de ces lieux d'habitation avec un autre ton, et c'était pas la presse, c'était pas les médias, c'était pas à l'époque il y avait pas Internet, mais et c'est ce que je vois bien ce que tu dis dans ce feuilletage, le tableau pourrait avoir une autre fonction, une rupture du continuum quotidien et informatif et voilà. Pardon. Oui, c'est bien, mais Marion avait été un peu sollicitée là, peut-être. Mais Marion, non, oui. Mais je... Il fait les questions et les réponses. Je répondais hier, mais pour que tu puisses me répondre. Ouais. Ou poser une question. Est-ce que tu utilises des images pour faire tes... Non, justement, pour moi, c'est très important de... Il y a de l'image dans la peinture. On fabrique des images, mais c'est pas un référent. L'image n'est pas un référent. Le référent, c'est l'espace. Et je veux pas, pour moi c'est très important de pas, et c'est pas idéologique, enfin ça l'est peut-être aussi, mais c'est avant tout une question d'expérience. Ça marche comme ça pour moi, quoi, c'est tout. Je vais réussir à finir ma phrase. Je veux pas aliéner mon regard à la photographie ou aux images des médias, justement. Je veux être pure. Oh, c'est beau, bravo, c'est magnifique. Donc en fait, alors, du coup, quand on voit quand il y a une peinture d'une truite, je prends celui-là parce que c'est personnel, c'est que le poisson, il était là, tu l'as peint, donc t'as pris, voilà. Donc, après, il y a aussi des choses dans l'imagination, ou bien ça peut arriver qu'il y a un document photographique ou des choses comme ça, mais c'est vraiment, ça a disparu en fait maintenant. Mais sachant que ce qu'on a dans la tête, c'est toujours... Enfin, dans la tête, on a plein de choses qu'on a vues. On a aussi les images des médias et les photographies, mais je veux dire, je suis pas dans un truc naturaliste où je voudrais absolument d'après nature. Ou ce qui m'intéresse, c'est le chemin de l'information d'après le monde physique et en trois dimensions et comment ça passe dans le milkshake dans la tête. Et voilà. Donc en fait, tu reprends ce qu'on, des mots qu'on n'utilise plus, c'est peindre, tu peins sur le motif.
Tu veux, Yves, tu l'as jamais, t'as jamais. Je vais tous les, presque tous les jours sur le motif. Non. c'est intéressant parce qu'il y a des gens parfois, même dans des endroits comme le MAMCO, très sérieux, il y a des gens qui me disent alors vous allez sur le motif, enfin vous peignez sur le. Quand on fait une expo comme ça, c'est quand même marrant que des gens aillent demander si c'est fait sur le motif. Ah, je vais avoir mon tableau qui est plus grand que moi et comment. Il faudrait que j'aille m'entendre voir le motif et que je reviens avec mon pinceau. Pas, mais j'ai oublié le motif, alors je retourne. Ah, c'est débile, quoi. Et donc, en effet, le tableau. De toute façon, les peintres, vous le savez. Sans arrêt, c'est un travail d'atelier, 80% du temps. Le plein air, c'est une histoire politique du 20e siècle, du 19e siècle, mais le peintre, il fait son travail dans l'atelier. L'art conceptuel, quand il a mis en. Quand il accusait l'art de la peinture, entre autres, une des choses qui était mis en jeu, c'était l'économie de travail du peintre et le lieu de travail, l'atelier. On fallait sortir de l'atelier, aller dans l'espace urbain. Moi, c'est un truc dont j'ai été très intéressé. C'est ce que j'ai réappris à Düsseldorf, c'est de penser ce que c'était que l'atelier, l'économie, et de dire si je continuais le travail de peinture, il fallait que je trouve une bonne raison à travailler dans l'atelier, mais que ça soit pas un lieu d'enfermement, que ça soit pas un lieu. Alors c'est marrant ce que tu dis. Je sais plus. Tu as dit que tu voulais être pur. Oui. C'est très intéressant. Moi, par exemple, je à cette époque-là, mais je le pense toujours, je veux surtout pas être pur. Je veux être impur, vulgaire, sale, de mauvaises pensées, etc. Petit bourgeois et tout ça. Vraiment. Et donc, c'est ce qui me fait mon énergie de peintre, c'est l'impureté et tout ça. Et donc, en effet, peindre d'après photo, c'est impur, c'est. Etc. Non, mais forcément. Mais pourquoi pas ? Je ne sais pas du tout que peindre d'après photo, c'est impur. Ceci dit, je réponds sur ton travail. Enfin, je réponds à ce que tu dis. Je vous le dis, il peut le faire parce que c'est un espion. Ceci dit, et tu le dis, en fait, c'est pas un secret. Tu vas toujours toi-même photographier les bâtiments que tu peins. Et au fond, c'est important que tu les vois, les bâtiments. C'est pas juste pour faire le cadrage du document que tu vas utiliser, même si ça compte. C'est aussi important que tu les vois. Donc, d'une certaine, tu peins pas sur le motif, mais tu peins quand même quelque chose que tu as vu, enfin que tu as vu avec ton corps, que tu as parcouru dans l'espace. Non, mais pour moi, la photo est une trace du plein air. J'ai pas de problème avec ça. J'interprète les photos. C'est une mémoire. C'est un reportage que j'ai fait. C'est une mémoire. Je les interprète à l'atelier. De même que tu. C'était super important pour moi de penser et j'essaie d'y réfléchir. Je pense que il y a vraiment des choses importantes et sur la question de la perception et de dire que un enjeu artistique, une action artistique, c'est quelque chose qui doit partir, que les choses commencent à la perception. Par exemple, j'aime bien cette histoire où on dissocierait, on ne ferait pas une confusion entre une perception artistique, l'expérience qu'on fait devant un objet d'art, et une perception quotidienne, celle qu'on fait quand on ouvre le frigidaire et qu'on ressent le froid et le chaud, ou qu'on se brûle en prenant le plat dans le four. C'est des deux types de perceptions différentes et qui s'adressent à notre corps et à notre esprit différemment. Ça, c'est un truc qui m'intéresse. Et ça part de là, l'art, je pense, à la question de perception. Et parfois, l'institution, la pseudo, le white cube, comme tu disais, ou plein de choses comme ça, tendent à faire oublier ce que c'est la perception qui est. Ah bon, je prends trop la parole. Allez-y. Il y aurait juste une petite chose par rapport à l'image. Parce que Nina, tu utilises l'image, mais dans l'utilisation de l'image, j'ai l'impression qu'à travers l'image, tu essayes de trouver. Alors, on avait trouvé le mot picturalité, on ne sait pas s'il est très juste. En tout cas, de retrouver, à part l'image, d'utiliser l'image comme aussi un moyen de donner une nouvelle matière, une nouvelle plastique, en tout cas, ou d'utilisation de la couleur ou de la matière, pour lui donner une nouvelle manière de peindre. Que tu peux. Voilà. On aura. Oui, c'est ça. Non, mais bon, moi, il y a un mot que j'utilise
tout le temps aux étudiants, et je pense que ça peut s'appliquer peut-être à tous, c'est une formule à la con, je dis la magie de la peinture. Oui. Voilà. Je leur dis ça, et je leur dis, il y a un truc qui se passe. Alors c'est peut-être aussi ce que disait Laurent, c'est-à-dire c'est une sorte d'instant magique, quoi. À partir du moment où, voilà, on est dans la peinture, il y a autre chose qui va se passer. Et laisser, je dis aux étudiants, laisser agir la magie de la peinture. Bon, après. C'est ton programme d'enseignement, ça. Je ne sais pas ce que je peux. Hein. Mais non, programme d'enseignement, c'est de commander du matériel. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Mais j'ai vu sur certains des tableaux, je reviens là-dessus, puisque en fait, il y a même un rapport quand on a ces couleurs, quand on bouge un peu les CD, on a la réfraction de la lumière, enfin, vous savez, des couleurs un peu comme ça, spectrales, etc. Voire même des très pigmentés, je rappelle numérique. Donc il y a l'utilisation aussi de retrouver comme ça des effets plastiques qui sont faits par l'image, je trouve. Enfin, en tout cas, je sais sens pas, que en fait, finalement, moi, je peins jamais aussi bien que quand je vois pas très bien ce que je fais, c'est-à-dire j'enlève mes lunettes, je peins dans le noir, j'essaie de trouver des sortes d'astuces, parce que, et ça rejoint peut-être ce que dit Marion sur la pureté et bon et tout ça, mais c'est vrai que comme je suis avec des images qui sont pas très précises finalement, mais quelque part, si je regarde trop les choses, je suis trop dans le contrôle, je suis quelqu'un qui contrôle beaucoup, qui est très organisé et tout ça, et donc voilà, il faut que je... Et finalement, les effets peut-être que tu vois en général, c'est des choses qui ont été faites par hasard. Donc, il ne faut pas croire que les choses se font exprès. Enfin... Est-ce qu'il faut des lunettes spéciales pour voir tes tableaux ? Non, non. J'aimais vachement l'expo en septembre parce que je me suis dit, il y a un truc, peut-être qu'on les voit en relief si j'ai des lunettes. Non, mais le pire, c'est quand on voit des films anaglyphes avec les lunettes, finalement, surtout les vieux, ça ne marche pas. Donc, c'est ça qui est bien. Mais bon, ça, ferme la parenthèse. Non, je sais pas trop quoi ajouter. Il va falloir qu'on conclue là. Non. Moi, j'aurais bien aimé entendre Amélie, en fait, parce que je l'ai trouvée géniale, Amélie, en conférence au Collège de France au mois de décembre. Et surtout, ce que j'aimais beaucoup dans ce que tu as dit, Amélie, c'est la manière dont tu prépares ta composition. Et tu, autant que je me souvienne, de mémoire, je crois qu'à un moment donné, tu dis je pense qu'une composition ne souffre d'aucun. Ne peut pas avoir de défaut. La composition doit être parfaite avant de la transférer sur le tableau. Et puis tu parles d'outils de composition de l'image que tu t'autorises et d'autres que tu refuses. Tu pourrais redire deux, trois choses là-dessus ? Comme quoi, les outils. Non, c'était la composition comme... Enfin, je dois pas avoir de doute voilà. Là-dessus quand je passe après... parce que d'abord, je travaille sur Photoshop et sur ordinateur et je dessine que sur ordinateur. Et du coup, c'est à ce moment-là où quand ça... Enfin, je la transfère sur la toile, aucun doute. Mais après, les outils par rapport à... Mais il me semble qu'à un moment donné, tu expliques que ton papa est graphiste. Ouais. Je crois, et que du coup tu as été habitué à utiliser des logiciels de graphisme assez tôt, mais certains des logiciels, tu refuses de les utiliser. Ouais, bah, les logiciels 3D, du voilà. Coup j'utilise Photoshop, après, ça c'est pour dessiner, et après Illustrator pour faire des choses un peu vectorielles et plus précises, et InDesign après juste pour découper mon image comme une mise à carreau pour la mettre sur... C'est des trucs vraiment simples et j'utilise pas de logiciel 3D parce que du coup ça fausserait tout et ça serait peut-être trop juste sur des... Enfin comme Nina disait, sur des fois elle a envie d'embêter un peu le monde et son tableau il est tordu et du coup moi j'ai juste envie que les choses soient crédibles, les perspectives irritantes et un peu aberrantes et j'ai envie d'être... un peu vulgaire et sale et tout ça. Bon, alors que je suis très... je contrôle tout et il n'y a rien qui doit foirer. Bon, je me perds un peu, mais... Voilà, et les logiciels 3D, par exemple, tu penses quoi de ça, toi, Franck ? Mais alors que ça a l'air plutôt cool. Utilises, toi. Et j'aimerais bien, mais c'est juste que des fois, l'ombre serait trop juste et gâcherait totalement la composition et du coup, moi, je m'en fous, je la mets où je veux et ça fonctionne mieux. Et du coup... Ouais, mais alors la composition, tu la juges enfin parfaite devant l'écran. Est-ce que après, il n'y a pas des surprises quand tu la... Non. Ouais.
L'image est déjà. Quand je la sors, après, je l'imprime en format A3 et je mets une mise à l'échelle, à la taille du tableau. Et je sais pas. Et dans la réalisation, son agrondissement, sa réalité, il y a jamais de. Tu reviens jamais dessus, quoi. Non, sinon c'est foireux tout de suite. Mais après, c'est juste c'est le format, c'est la question du format qui après se met en place. Mais si c'est douteux tout de suite, je ne la fais pas. Je repars sur autre chose. Et dont je me souviens aussi, le FRAC Limousin se permettra de mettre en ligne l'enregistrement de cette causerie, de cette conférence que tu as faite au mois de décembre. Là, mais il me semble que dans ces explications que tu donnes, et tu les donnes très très clairement, tu parles aussi d'une technique que tu as mise au point de report à partir d'un dessin blanc. Ah ouais, non, mais ça c'est comme la projection ou la mise à carreau, enfin, c'est juste des systèmes de calque, mais tout ça c'est des... C'est juste pour être plus précise et... Oui, mais c'est intéressant parce que autant que je me souvienne, je l'ai vu, mais il y a quelque temps, j'avais l'impression que si je comprenais bien que tu faisais donc un dessin blanc sur un calque qui, par report sur le support, te permettait de ne pas avoir... De tout faire en une couche, que toute la peinture reste en surface et je fais rien... Des fois, j'ai des petits détails en deuxième couche, mais maintenant, j'essaie de les éviter... Et tout se construit en zone pleine et vide de scotch, parce que moi je passe plus de temps à faire des structures de scotch que de peindre, et c'est plutôt cool, et des fois c'est un peu chiant. J'ai trouvé ça, c'est juste du crayon blanc qu'on pose sur un calque, et du coup en le posant, donc je suis obligée d'appréhender le dessin trois fois, et c'est à ce moment-là où je redessine et où je peux savoir que la composition est pertinente, ou je sais pas. Et ça me fait juste une poudre délicate posée sur la peinture, ça s'efface avec de l'eau, c'est juste parce que le crayon et le fusain ça me stresse, et c'est gras et un peu chiant, et du coup et ça me gêne quand on le voit dans les peintures aussi, quand il y a des jus et tout ça, c'est compliqué aussi pour moi, et du coup ça me permet de tout monter en une couche de peinture, et l'enjeu est un peu là de rester en surface et de cloisonner les choses comme ça. J'ai pas. Et imprimer les images, tu l'as fait, ça pourrait être une solution aussi. Non. Il y a la magie de la peinture. C'est ça. Et le but ultime, ça reste le tableau, en fait. Du coup, je sais pas. Alors, moi, j'aurais peut-être encore une dernière question. Je sais pas trop quelle heure il est, j'ai pas l'heure. Donc Une heure, donc on va bientôt s'arrêter. Hein, j'imagine qu'il y aura peut-être encore des discussions. Pour le petit vernissage du workshop fait par Simon. Mais j'aurais juste quand même une toute petite dernière question, notamment à Yves, sur la question de la peinture ou du dessin comme un moyen de documenter l'architecture ou la ville, ce rapport où le documentaire prendrait finalement presque autant de place que la partie fictive de la peinture. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte d'aller-retour possible entre le document et la fiction. Non, je ne sais pas, mais moi je disais, quand j'avais fait l'expo sur Jean Renaudy, je disais, ce sont des documents paradoxaux, c'est-à-dire que ce n'est pas le rôle de la peinture ni du dessin de document. J'arrête pas de faire l'expérience que quand des gens voient mes tableaux ou passent à l'atelier, ou même l'autre jour, quand les amis du FRAC sont passés, qu'on regardait ce dessin de la de Villefort-Sex, la colonie du Four. C'est la colonie du Four. Je me disais, ça représentait ce que j'avais fait sur la colonie du Four, mais en quoi c'est crédible, en quoi c'est là où ça emporte vraiment une fiction. Et il y a une tension sur le documentaire et pour moi, ça reste un enjeu de rester très proche de ce que j'ai vu. Mais au fond, à quoi tout ça rime, je ne sais pas. Non, mais c'est troublant parce que finalement, la peinture pour toi au départ, c'était quelque chose de, comment dire, un programme. Peu à peu, on a l'impression que le dessin a pris de plus en plus... C'était un désir. Un désir. Et un doute, parce qu'en fait, quand je vous entends, c'est assez drôle parce que
je ne cesse de me dire que je ne sais pas faire. Enfin, tout ce que j'accepte, c'est des choses que quand je le faisais, je ne sais pas si je ne sais pas. Enfin, je trouve ça pas bien. Au moment où je le fais, je me dis, je suis pas, ça ne va pas. À chaque fois. Et je refais, et je refais, et c'est toujours le même truc où je me dis, je suis nul. Et puis j'accepte, parce que le tableau est là, qu'il trouve une unité à un moment donné, et puis j'en fais, et puis j'en fais, et puis voilà. Mais il y a une espèce de course, un peu sans doute existentielle. Oui, non, mais c'est sûr, on a bien compris que c'était pour chacun d'entre vous un itinéraire. Donc, moi, j'avais prévu qu'on parle un peu plus de comment est-ce qu'on enseigne la peinture et tout ça. Bon, ça, c'est très compliqué. Hein. Non, mais on sait en même temps qu'il y a eu des écoles de peinture. C'est-à-dire, par exemple, on a parlé tout à l'heure, c'est toi qui as dû en parler, de l'école de Richter. Ça existe vraiment. Enfin, c'est pas qu'un phénomène de marché, etc. Moi, je pense que c'est à Düsseldorf, et c'était école de Richter, tel que j'allais dans les ateliers. Enfin, je pense que c'est très à la fin du XXe siècle, dans un certain type d'économie et dans une certaine géographie, Richter venant de l'Est et étant. Je pense que c'est très académique. Hein, c'est pas. Enfin bon. Et les choses sont diluées. Cet académisme ne s'appelle plus académisme. Je pense que par exemple, le pop, l'effet pop, est très académique. Avec un, on emploie, on sait même plus comment employer ce mot. Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, bien en sûr. Allemagne, on dit académie, on dit pas école. Enfin, Hochschule. École supérieure. Non, mais c'est die Kunstakademie, pour la Kunstakademie. Alors, on est loin d'avoir épuisé le débat. Est-ce qu'il y a des questions encore avant qu'on se sépare de cette salle ou... Ah, il y a Simon qui veut poser une question. Mais les étudiants de Limoges n'ont pas beaucoup parlé, hein. On parlait de sentiments. Il est parti. Ils sont abattus. Simon, on t'écoute, oui. Non, mais en fait, c'était peut-être pas nécessaire. Mais non, je repensais pendant la discussion à une autre. Un autre moment de discussion, mais qui dans un contexte assez différent, où il était question de comment est-ce que des artistes, des théoriciens dialoguent ou pas, ensemble, etc. Et qu'est-ce que ça fait ? Et où quelqu'un, peu importe qui, avait parlé d'un artiste des années 60 qui lui-même parlait de honte épistémologique des artistes et des artistes de sa génération, c'est-à-dire vis-à-vis justement de l'écriture et de la théorie, etc. De dire qu'en fait les artistes avaient honte des moyens qu'ils utilisaient. Enfin, qui avait comme une sorte de honte, oui, des moyens ou de la pensée ou de la logique de. Des artistes eux-mêmes. Et il y a un truc que je trouve assez étonnant et intéressant ou qui rejoint peut-être une sorte de toile de fond, peut-être de la manière dont j'envisage le fait de faire de la peinture, etc. Qui est que bizarrement, on ne sait pas du tout ce que c'est. Enfin, c'est-à-dire, la discussion montre aussi. Je crois à quel point, finalement, c'est pas une chose si définie que ça. C'est difficile de dire quels sont les moyens épistémologiques de la peinture. Ou, alors chacun peut essayer de préciser un petit peu ceux avec lesquels il travaille, mais c'est pas du tout les mêmes. Ça, les termes se déplacent aussi très facilement quand on dit image, etc., etc. En fait, on parle pas toujours de la même chose. Et c'est pas, je pense, un problème... purement de mécanique intellectuelle ou de maîtrise du langage. Je pense que ça renvoie à des vraies questions sur qu'est-ce qu'on fait, en fait. Intéressant. Je ne sais pas comment je sais pas comment les étudiants ou Alain, comment vous en parlez à Limoges, mais une chose, moi je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, ce que je sais de la peinture au 19e ou ce que je sais de ce que disait Delacroix, qui n'est pas le plus mauvais... c'est qu'on a toujours l'impression de courir derrière quelque chose qu'on ne connaît pas et qui est perdu. Enfin, ça m'avait intéressé quand je m'intéresse à des questions de technique, de comprendre ce que c'était la technique de Van Eyck. Tout ce qu'on en dit, c'est qu'on ne sait pas. Enfin, c'est que c'est perdu. Et tout ce que rapporte Rubens ou les uns et les autres, c'est que c'est quelque chose de perdu sur le plan technique. Mais ce plan technique... il a beaucoup d'impact sur le plan psychophysiologique de l'action, quoi, de peintre. Et donc sur les pistes, peut-être ce que tu... Mais bon, c'est un truc étrange. On court derrière quelque chose qui est perdu sur ce plan de la peinture.
En photo, enfin en art, je ne sais pas si il faut le dire en art en général, mais pour ce qui est de la pratique de la peinture, l'enseignement de la peinture dans les écoles d'art, et ça je fais un effort pour aller dans ton sens, il faudrait bien reconnaître ça, c'est qu'on ne sait pas au fond. Et donc il faut, moi j'aime beaucoup ce que dit Nina, il faut faire agir, enfin il faut que les étudiants agissent, et agissent plus légèrement, plus librement, dans le désordre des ateliers, chez eux et à l'atelier, dehors, chez eux, à l'atelier, sans trop faire attention au lieu d'action, au lieu, etc. Enfin, en pouvant agir le plus possible, et il faut agir le plus régulièrement possible, être dans l'expérience, quoi. Pas s'affoler sur le fait qu'on ne sait pas, ça fait rien. Une autre chose. Oui, non, mais... Il y a toujours un moment où on regarde ce qu'on fait, comme tu dis, enfin, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là aussi où on se demande ce qu'on a fait, et ça ne veut pas dire qu'on doit apporter une réponse. Mais, je ne sais pas, on a passé 3 heures à discuter, c'était pendant 3 heures de ce qu'on fait, donc c'est aussi, il y a aussi un moment où on échange sur ça, quoi. Je disais aussi ça pour le mettre en perspective, à la fois avec d'autres pratiques qui ont été l'art conceptuel, etc., qui se sont aussi beaucoup auto-déterminées, expliquées. La pratique de l'art conceptuel, c'est une pratique intéressante qui voulait surtout éviter d'aboutir à un objet. Alors, c'est complètement l'inverse pour les problèmes d'épargne, puisque eux, ils veulent obtenir un objet, le tableau. Ou alors, à un moment donné, ils se sont posé la question de déconstruire le tableau, enfin d'accepter la déconstruction du tableau, et ça a donné ce qu'on a connu. Mais enfin, il y a une grande différence. Les artistes de l'art conceptuel ne voulaient pas produire un tableau et se sont retrouvés bien embêtés parce qu'ils documentaient leur action et c'est devenu des objets. Alors, et là, il y a un petit truc. Mais nous, on veut faire des objets, puis voilà. On est des artisans, des artistes. Il y a une formule de Sol Lewitt que j'aime bien, c'est qu'il dit, il y a un instant où on cherche une définition, le problème c'est qu'une fois qu'on l'a trouvée, on finit par se limiter à cette définition. Oui, bien sûr. Donc c'est, quelque part, c'est un beau résumé aussi de en tout cas, du développement et du questionnement que peut, en tout cas à travers ce médium, parce que quand même, ça, il est quand même relativement vieux. Et finalement, à chaque environnement, à chaque contexte, en fait, il prend soit des formes répétées ou soit des formes nouvelles, mais participe comme ça à une action pour revenir sur la... Moi, ce que je conseillais souvent aux étudiants, c'est de se prendre à contre-pied. Je trouve ça vachement utile de repérer quelque chose où on pourrait, à l'intérieur de l'école, et ça serait trop tôt, initier une sorte d'habitude ou un comportement confortable. Et je conseille souvent aux étudiants de se prendre à contre-pied. À un moment de l'année ou à un moment des 5 ans, il y a quelque chose qui se met en place. Et ben, regarde si tu te prends à contre-pied ou regarde toutes ces idées ou toutes ces choses que tu as vaguement pensées ou que tu aimerais faire, que tu repousses pour des raisons d'économie de travail, pour des raisons de je ne sais quoi, pour des plein de bonnes raisons, bons prétextes, etc. Ben, va voir. Fais ce que tu refoules. Refouler, non, n'employons pas ces mots aussi. Mais fais ce que tu fais pas. Prends-toi à contre-pied. À un moment donné, ça vaut le coup. Profite de tes études. On va clore là, parce que je crois qu'on a vraiment dépassé l'heure pas mal. Et puis je crois qu'il y a aussi des gens qui doivent reprendre des trains dans pas trop longtemps. Donc merci beaucoup, beaucoup à Yves, à Nina, à Franck, à Simon, à Marion, à Amélie, Laurent, enfin, et puis ceux qui n'ont pas pu rester parce qu'on pense beaucoup à eux. Ernest regrettait beaucoup de ne pas pouvoir être là et c'est vrai que ça aurait été assez bien de l'entendre parce qu'il a la sagesse et il a une manière de voir le monde qui est vraiment, vraiment intéressante. Mais merci en tout cas beaucoup, beaucoup à tout le monde d'être venu. Merci. Non. Merci Yannick. Merci bien. Bisous. Merci à vous.